bienvenue à Aix-en-Provence. Située à 30 km de Marseille, la ville bénéficie d'un patrimoine architectural exceptionnel. Mais pour les gourmands, Aix, c'est aussi une spécialité sucrée incontournable, le calisson bien sûr. Les ingrédients indispensables pour faire un bon calisson sont avant tout les amandes. Du melon, parce que ça pousse en abondance en Provence. Et pour relever le tout, quelques cubes d'écorce d'orange confite seront les bienvenus. Aujourd'hui encore, le calisson se fabrique de manière artisanale. Pour commencer, on dispose d'une feuille d'hostie qui va constituer le socle de la confiserie. À la force du poignet, on remplit ensuite les moules de pâte d'amande au melon et orange confite. Avant de recouvrir le tout d'une couche de glace royale à base de blanc d'œuf et de sucre glace. Une recette qui n'a quasiment pas changé depuis l'apparition du calisson, qui remonterait au XVe siècle. La légende raconte que le vieux roi René avait épousé un tendron de 15 ans qui, le jour de ses noces, faisait triste mine. Or, le pâtissier de cette petite reine Jeanne, pour lui faire plaisir, avait inventé une confiserie confectionnée en forme des yeux de la princesse qui était si jolie. Quand elle a reçu son cadeau, la princesse a souri enfin et a dit « Que câline son !» Ce qui veut dire « Oh, quel câlin !» Le calisson, c'est l'emblème d'Aix-en-Provence, une spécialité que les Aixois défendent avec fierté. La devise du calisson, c'est d'Aix-en-Provence et de nulle part ailleurs. Cher pâtissier, notre couple de futurs mariés n'a pas choisi votre gâteau pour l'épreuve du mariage. Vous êtes donc confronté à l'épreuve éliminatoire. Je vous propose de mettre à l'honneur une confiserie très célèbre, une confiserie que nous connaissons tous et qui nous vient d'Aix-en-Provence, c'est le fameux calisson. Vous allez devoir réinterpréter, réimaginer cette friandise comme l'a fait avant vous un très grand chef pâtissier que nous avons l'honneur de recevoir sur ce concours. Si je vous dis qu'il est l'inventeur des verrines, que son talent est mondialement reconnu, qu'il a la passion du goût et que ses réalisations sont d'authentiques rêves sucrés, vous pensez forcément à Philippe Conticini. Il est avec nous. Bonsoir à tous. C'est un géant, il a un des meilleurs palais du monde. Enfin, je veux dire, la pâtisserie, il la connaît sur le bout des doigts. Voilà, c'est un monstre sacré. Pour moi, Philippe Conticini, c'est un peu le pape de la pâtisserie, quoi. Il est hyper impressionnant et on se sent vraiment tout petit. Je suis ravie d'être là. Oui, c'est gentil. Manifestement, nos pâtissiers aussi le sont, vu leur sourire et leurs yeux émerveillés. Mon style de pâtisserie, c'est simple en fait. C'est vivre et faire vivre des émotions, des sensations. C'est l'assaisonnement, la condimentation, le travail du goût. Depuis 3-4 ans maintenant, je réinterprète les classiques. Réinterpréter le classique, c'est le respecter, ne pas le dévoyer, mais surtout y mettre ce que l'on est. En fait, c'est rentrer dans le cadre et écarter les bords du cadre. Mais c'est le respecter, avant tout. L'important, c'est ce qu'on ressent. C'est comme la musique. On ferme les yeux et... Où est le « là » et le « si », ça n'a aucune importance. C'est l'univers qui est important, la sensation. Dites-nous ce que vous attendez de nos 5 pâtissiers. Alors, en gros, c'est rentrer dans l'univers du calisson de la manière dont ils le souhaitent, quel que soit le gâteau, la glace, peu importe, mais qu'au final, je puisse ressentir et rentrer dans cet univers et vibrer, quoi. Donc, on l'a compris, effectivement, nos pâtissiers, nos 5 pâtissiers, vont devoir réinterpréter cette confiserie, oui. Mais en faire tout ce qu'ils veulent, sauf un calisson, finalement. Sauf un calisson. Le calisson, ça ne m'inspire absolument rien. non, j'aime vraiment pas ça. Je crois que j'ai dû en goûter une fois dans ma vie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? J'ai l'habitude d'en manger, je suis originaire du sud de la France. Après, bon, c'est vrai que le retransformer, c'est pas chose évidente. Décliner le calisson ne s'annonce pas si facile. C'est pourtant ce que Philippe Conticini a lui-même réalisé. Allez, on y va. 1, 2, 3. Voilà ce superbe calisson. Repensez, réimaginez.
Le Calisson revu par Philippe Conticini n'est plus une confiserie, mais un gâteau qui respecte son modèle et dans lequel on retrouve les saveurs de l'amande, de l'orange, du citron confit ou encore de la fleur d'oranger. Cher pâtissier, vous allez avoir 2h30 pour décliner le Calisson à votre façon, sans refaire le gâteau de Philippe Conticini, bien sûr. Vous pourrez bénéficier des conseils de Philippe Conticini qui sera avec vous tout au long de l'épreuve. Je serai avec vous à 100%. Vous avez remarqué que le jury n'est pas là et c'est normal puisqu'il dégustera vos réalisations à l'aveugle. Vous êtes 5 pâtissiers pour cette nouvelle épreuve. Seuls 3 d'entre vous continueront l'aventure et se qualifieront pour la suite de la compétition. 2 pâtissiers seront définitivement éliminés. 2, ça commence à faire beaucoup, quoi. Sur 5, 2... Et là, oui, ça remet un coup de pression supplémentaire. Il y a du bon niveau, quand même. Il faut absolument se démarquer, ça va être très dur. C'est parti, vous avez 2h30. 2h30 seulement pour décliner le Calisson sous une nouvelle forme, c'est un défi. C'est surtout le seul moyen pour sauver sa place dans un concours de plus en plus exigeant. À ce niveau de la compétition, il est temps d'envoyer la sauce. C'est-à-dire qu'il est temps qu'on voit qui veut gagner. Ce qu'on attend sur cette épreuve, c'est qu'on ait un vrai goût de Calisson, mais en même temps, un visuel moderne. C'est la grosse difficulté des épreuves. Il faut être créatif et il faut connaître les goûts du Calisson pour vraiment les retranscrire sur un gâteau. On a 2h30 pour sauver notre peau, pour vraiment montrer de quoi on est capable sur cette épreuve. Calisson, pour moi, je vois quelque chose de croquant, donc une meringue suisse sur le dessus, quelque chose de rond. Et partir en dentelle avec une glace royale pour rappeler la glace royale qui est sur le Calisson. Alors tout de suite, je me mets sur ma réalisation de meringue suisse. Une meringue suisse, c'est des blancs, du sucre. On fait chauffer au bain-marie. Pendant qu'elle refroidit, je lance ma crème pâtissière à l'orange. Donc jaune, sucre et farine. Je fais infuser mes zestes d'orange dans mon lait. Je mélange tout. Je la mets au frais, tout de suite, pour que ça refroidisse. J'ai vraiment pas une minute à perdre. C'est vrai que sur l'épreuve gâteau de mariage, sur le temps, j'étais mauvais. Donc là, je me suis dit, là, une fois, pas deux, quoi. Non, je perds pas mon temps, là. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois. De son côté, Brahim a décidé de s'éloigner au maximum du produit de référence. Son Calisson sera réinterprété sous la forme d'une tarte. Le Calisson, c'est voilà, un petit peu d'orange, un petit peu de melon, de l'amande. Donc, il va falloir jouer avec ces textures-là. Moi, je vais partir sur une tarte. Je vais faire une pâte sablée aux amandes. Une fois cuite, je vais rajouter de la pâte de Calisson en fine couche. Un crémeux à l'orange. Et avec ça, je vais faire un mousseux à la pâte d'amande. Et je vais mettre des petites oranges confites. On va partir sur ça, il y a assez de boulot. Si Brahim est confronté pour la 3e fois à une épreuve éliminatoire, pour Audrey, en revanche, c'est une première. Et la stratégie de la jeune femme, c'est de limiter les risques. Aujourd'hui, il ne faut pas se louper, il faut rester sur quelque chose qu'on connaît. On est quand même deux à devoir partir ce soir, donc il ne faut pas se planter, ouais. Il faut y aller. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, chariot de dessert, on va finir ce qu'on a fait ce matin. Aujourd'hui, j'occupe un poste de chef pâtissier formateur dans une grande école hôtelière suisse. On met tous les ingrédients dans l'incubateur et après, on monte à 40 degrés. Ce poste-là m'intéressait parce qu'il y avait une part de transmission, mais en même temps, il y avait toujours ce côté créativité, toujours essayer d'être à la pointe. Donc, on peut allier les deux et ça, c'est super. Au niveau du caractère, je suis assez combative. J'essaye d'aller jusqu'au bout des choses et de ne pas me mettre de barrières. Et s'il y en a, d'aller de l'avant, quoi. Ce concours, c'est un nouveau challenge. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas où ça va m'amener. L'expérience m'a paru géniale, donc je me lance. Après, quand on fait un concours, il ne faut pas se mentir à soi-même, on le fait pour gagner. Moi, j'aime travailler les produits séparément et que ça s'assemble finalement en bouche quand on mange. Donc, ce que je fais, c'est que je pars sur une base d'un biscuit pain de gêne. Donc, c'est un biscuit à base de pâte d'amande avec un petit peu de zeste de citron vert, voilà, pour amener un peu de fraîcheur. Dessus, j'ai dans l'idée de faire une mousse à la pâte d'amande. Pareil avec des zestes, parce que ça se marie bien, puis ça ramène un peu d'amertume. Après, j'ai en tête de me faire une crème anglaise à la pâte d'amande.
le séparer en deux. Une partie que je vais passer au congélateur pour faire après une glace. Et une autre partie que je vais mettre dans un siphon pour faire quelque chose de beaucoup plus mousseux, beaucoup plus aérien. Et finir en mettant comme une sorte de tuile à la meringue. 15 minutes après le début de l'épreuve, Camille, elle, a encore du mal à se lancer. Mais il faut dire qu'elle doit surmonter un handicap de taille. Je sais pas trop quoi faire parce que le calisson, j'en ai jamais mangé. Je patauge un peu dans la spoule. Là, je vois déjà les autres qui commencent à lancer leur pesée, etc. C'est pas mauvais, hein. Il y a ce goût d'amande qui reste en bouche que j'aime pas trop, moi. Je trouve ça fort, un peu écœurant, mais on va revoir ça d'une manière un petit peu plus féminine et peut-être plus travaillée, on verra. Camille est un peu perdue. Pourtant, elle doit se décider rapidement. L'horloge tourne. Mon idée, en fait, c'est de partir sur différents jeux de textures, sur un entremets qui aurait le goût de calisson. Donc je suis partie, en fait, sur une pâte sablée. Sur lequel je vais mettre un biscuit sachère. C'est composé en fait essentiellement de pâte d'amande. Donc je pars sur ce biscuit-là parce qu'il y a de l'amande dans le calisson et parce que je pense que le goût de l'amande sera bien présent dans ce biscuit. Ensuite, je décide de faire une marmelade de kumquat. Dans le calisson, normalement, il y a de l'orange. Et là, en fait, moi, je suis plus sur remplacer l'orange par le kumquat. Le kumquat, ça amène une certaine acidité. Il y a une amertume aussi, un parfum qui est vraiment spécifique. On sort un petit peu de la recette classique. Et je pense que ça peut faire la différence sur cette épreuve parce que peut-être que les autres n'auront pas pensé au kumquat. Moi, c'est un produit vraiment que j'adore et c'est une saveur bien particulière. Amaury, de son côté, accorde une grande importance au design de son dessert, comme d'habitude. Je vais essayer de casser un peu le côté classique du calisson, tout en gardant la forme initiale, mais en lui donnant un petit coup de jeune. Malheureusement, il n'y avait pas de moule en forme de calisson, donc j'ai dû créer mon moule. Ah, en pâtisserie, il faut savoir être bricoleur. Hein. Ça, c'est clair qu'il faut savoir se débrouiller. Le bon pâtissier, c'est un pâtissier qui sait un peu allier tous les talents. C'est un bricoleur, c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui est bosseur. C'est vraiment un métier extrêmement complet, pâtissier. Ah, vous êtes parti sur quoi, Amaury ? Alors, moi, je suis parti sur une génoise à la pâte de calisson. Oui. Je vais remplacer la pâte d'amande par la pâte de calisson. Oui. Ensuite, je vais faire une mousseline à base de, encore une fois, de crème, cette fois de calisson. D'ailleurs, c'est inspiré d'une recette à vous. J'ai repris la recette de la crème pralinée Paris-Brest. D'accord. La vôtre. Oui. Et j'ai remplacé le praliné par la crème de calisson. C'est une excellente idée. Quand on a Philippe Cotticini qui passe et qui nous fait un compliment, c'est dingue, quoi. Excellente idée, même. Il reste encore 1h45 avant la fin de l'épreuve. Et pourtant, Yann commence déjà la finalisation de ses décors à base de meringue et de glace royale. C'est un travail long et minutieux, pas question de le bâcler. J'ai voulu me sécuriser sur ma décoration parce que c'est une opération délicate. Ça demande du temps, mais quand c'est bien fait, ça fait joli, quoi. Dites-moi, Yann, Wow. Vous êtes déjà à la décoration, là ? Ouais, faut que ça sèche, donc c'est pour ça que je la fais un petit peu à l'avance. C'est joli, qu'est-ce que vous avez fait dessus ? C'est quoi ? C'est de la meringue ? C'est une meringue suisse. Glace royale, c'est pour rappeler la glace royale qu'il y a sur le calisson. D'accord. Je suis parti sur une crème d'amande fleur d'oranger. Je peux goûter ? Vas-y. Donc là, on se dit, bon, merde, c'est quand même Conticini, quoi, c'est pas n'importe qui. Hein. Donc là, il goûte et. C'est vachement fade. C'est fade. Fleur d'oranger. Là, vous allez le passer au four. Ouais, évidemment. Donc ça va perdre encore plus. Ah bah. Mmh. D'accord. Si vous le remontez vraiment vos goûts en fleur d'oranger, vous allez avoir quelque chose de plus détonnant en bouche. D'accord. C'est important et donc vous allez créer la sensation. Yann doit revoir toute son organisation, mais pas question de conserver sa crème d'amande en l'état. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je rectifie tout de suite, je rallonge avec une demi-gousse de vanille, je zeste un citron vert, une orange et je refais tourner. C'est meilleur. C'est vrai que c'est beaucoup plus puissant et long. Enfin, c'est top. C'est super, ça me fait plaisir. Conseil comme ça vaut de l'or. Hein. Comment ça va, Brahim ? Ça va plutôt bien. Ça va, Brahim ? Serrez la main. Vous m'intimidez un peu, quand même. Hein. Ah, surtout pas, hein. Concentrez-vous sur votre gâteau. On peut vous intimider, vous, Brahim ? C'est possible, ça ? Je suis rarement intimidé par les gens en général. Mais lui, c'est spécial, je sais pas. Je trouve que c'est un des papes de la pâtisserie. Voilà, il connaît trop le métier. Donc oui, un peu intimidé, bien sûr.
Alors sur quoi vous êtes parti? Moi je vais revisiter le calisson à ma façon mais en tartelette. Ouais. Moi il y a deux parfums qui vont se dissocier. Oui. Vraiment l'amande ainsi que l'orange. Alors je goûte hein, votre. Je vous en prends un tout petit peu. Hein. Rien. Bon. Vous les goûtez Virginie? Oui je veux bien. Allez. Merci, hein, je partage votre cuillère, c'est sympa. Là, vous avez raison. La recette de Brahim met donc particulièrement en avant deux saveurs, l'amande et l'orange. Oui, c'est parfumé. Ouais, c'est bon. Mmh. Ouais. Après, vous restez sur deux parfums. Pratiquement. On va voir si vous arrivez à équilibrer et à reconstruire l'univers du calisson avec deux parfums seulement. Dans le calisson, il y a des fleurs d'oranger. Donc moi, j'en ai mis un peu, mais pas trop. J'en mets aussi, moi. Vous en mettez aussi, ouais. Bon, très bien. Déjà, ça en fait un de plus. Un de plus, ouais. Ouais, ça fait trois. Ouais. Super idée. Merci, merci beaucoup, chef. Bon courage, à tout à l'heure. Merci, c'est gentil, merci. Bon, je suis confiant, ça me rassure d'entendre ça. Après, bien sûr, ça sera une bonne idée uniquement si c'est bon. Aujourd'hui, il y en a deux qui partent, ça va être chaud. Personne n'est parti sur de la tartelette, donc moi, ça m'arrange. Donc, c'est un avantage aussi. Il n'y a pas moyen que je parte. Il n'y a pas moyen. Il ne reste plus qu'une heure et demie aux cinq pâtissiers pour réinterpréter le calisson d'Aix sous la forme du dessert de leur choix. Au terme de cette épreuve, le jury dégustera à l'aveugle et deux concurrents quitteront définitivement la compétition. Du côté d'Audrey, c'est maintenant que les premières difficultés apparaissent. Je trouve que ma mousse est pas assez parfumée. Là, je mets des petits morceaux de pâte d'amande pour rehausser le goût, voilà. C'est un peu l'élément principal de ma recette, donc voilà. Je suis tellement pressée par le temps, quoi, c'est mon défaut, voilà. Vouloir aller trop vite, je coule ma mousse quand même dans des cercles. Alors ça va? Ça se passe bien? J'ai fait ma mousse. Bon, oui. Je trouve qu'elle manque un peu de goût de pâte d'amande. Que je goûte? Ah oui, bien sûr, j'ai plus qui est là. Elle sent un peu amère, il y a des zestes qui ressortent. Donc je suis un peu déçue, ah. Donc... Non, c'est fade et on n'est pas dans l'univers du calisson. La mousse d'Audrey est à la fois manquée et hors sujet. Elle doit absolument rectifier le tir pour espérer sauver sa place dans le concours. Il faut que vous rajoutiez du sucre. D'accord. Rajoutez du sucre. Okay. Un petit peu de fleur de sel. Ah là, il ne faut pas non plus changer votre mousse, hein, mais... Non, elle est déjà coulée, mais... Oui, mais vous l'avez déjà coulée. Mmh. Moi, je pense qu'il faut que vous la recouliez. Hein. Remettez d'accord. Du sucre. Ok, je vais... Réhausser le sucre, hein. Vraiment. Ok, très bien. Quand Philippe Cotticini me dit que ça va pas, je suis contrariée contre moi parce que je me dis mais c'est pas possible, voilà, c'est le béaba, si ça va pas, on recommence, on le fait pas. Et puis je peux pas lui servir un truc qui est fadasse, quoi. Il est réputé, connu et reconnu pour son palais, donc ça serait idiot de pas l'écouter, bien sûr. Faut être intelligent, modifier ce qu'on peut modifier et puis avancer. Audrey n'a pas le choix. Elle doit recommencer sa mousse, orange et pâte d'amande. La jeune femme perd un temps précieux. Parviendra-t-elle à le rattraper? Rien n'est moins sûr. Amaury, lui, est toujours bien décidé à proposer un gâteau en forme de calisson. Après avoir démoulé sa génoise, il s'attaque à la garniture. C'est très cool, ça. J'ai mes éléments. J'ai plus qu'à effectuer mon montage. Peut-être ajouter un croustillant. Je fais un mélange de croustillant fruits secs pour apporter un petit peu de croustillant parce que sinon ça fait un peu trop mousse intérieur et biscuit, ça manque un peu de texture. Et pour décliner encore un peu plus le calisson, le pâtissier tente un pari. Après j'ai rajouté le chocolat, chose qu'il n'y a pas dans le calisson. Donc j'ai pris un risque, à la fois dans le visuel, à la fois dans la conception et les ingrédients, mais revisiter un entremets ne veut pas dire utiliser uniquement les produits du calisson. L'idée, c'est aussi d'innover un petit peu. De son côté, Brahim est en train de préparer une marmelade d'orange pour apporter de l'amertume et du caractère à sa tarte façon calisson. Donc moi, j'avais mis 500 grammes, 10 grammes de sucre. Je pars sur 4 oranges, ensuite je mets 40 grammes de sucre, je mets un tout petit peu d'eau et puis voilà, je cuis ça à compoter jusqu'à que ça réduise bien. Puis on mixe tout ça. Puis, je la chinoise à la passette, on la filtre en quelque sorte et on ne récupère uniquement vraiment que la pulpe. Ah ouais, elle est très puissante donc c'est pile poil ce que je voulais. Je peux goûter? Oui, avec plaisir. Bon, c'est très puissant mais je vais en mettre une fine couche pour accentuer tout ça un peu là. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Juste des oranges avec la peau, 30 grammes de sucre pour à peu près 300 grammes d'orange. Très amère. Donc, c'est-à-dire, cette amertume-là, on va la ressentir dans votre dessert. Ouais.
Mais ce que je veux dire, bienvenue, elle est bienvenue si vous l'équilibrez. Voilà, c'est une amertume qui n'est pas équilibrée. Ajoutez un petit pointe de fleur de sel, un peu de sucre. N'hésitez pas, le sucre, c'est comme le sel en cuisine. Hein. Ouais, il faut assaisonner. D'accord. Voyez. Je vais en mettre un. Ouais, moi je serai vous, je mélangerai même un peu de pâte d'amande dedans ou de la crème calisson. C'est voilà. Avec ça que je veux le faire. Très bien, voilà, faites-le. En fait, je vais mélanger les deux. Sucré avec ça, sera très bien, parfait. Bah on y va, c'est parti, je mélange les deux, je fais un temps pour temps, voilà, 100 g de la marmelade que j'ai faite avec 100 g de pâte de calisson, je goûte aussi à chaque fois, je regarde, je rééquilibre, et puis ça me paraît plutôt bon et fait en bouche, donc bah, je reste là-dessus, je rajoute rien d'autre. Monsieur Conticini, il a le meilleur palais du monde, alors faut faire attention au dosage. Hein. Il reste moins de 40 minutes d'épreuve. Camille entame le montage de son entremets à base de pâte sablée, d'un biscuit sachère, d'une crème à l'amande et d'une marmelade de kumquat. Oula, là vous rentrez dans le vif du sujet, là, hein, Camille ? Oui, chef, là je suis en train de finaliser le montage de mon entremets, j'espère que je vais avoir assez de temps. Mais. Vous êtes un chouïa en retard par rapport au montage. D'accord, bah, je vais essayer de me dépêcher. Ouais. Une fois que Camille aura terminé le montage de son gâteau, elle devra encore le passer plusieurs minutes en cellule de refroidissement à moins 30 degrés pour qu'il durcisse, mais sans geler, bien entendu. À ce moment-là, c'est vrai que je suis pas trop confiante. Hein. Je vois qu'il reste pas beaucoup de temps, que mon entremets va encore monter. Il va falloir un petit peu de temps quand même pour que ça prenne au froid négatif avant que je puisse le décercler. Donc, faut vraiment que je me dépêche. Et voilà, je commence à superposer les couches de l'entremets et je le mets en cellule. Il vous reste plus que 30 minutes, messieurs, dames. Nos pâtissiers travaillent maintenant sans filet. Ils savent qu'ils n'auront sans doute plus le temps de rattraper une éventuelle erreur. Le moindre faux pas risque de se payer au prix fort, alors qu'au terme de cette épreuve, deux pâtissiers quitteront la compétition. Depuis plus de 2 heures maintenant, Brahim s'oblige à travailler dans le calme, une grande première pour ce jeune homme au tempérament explosif. Pendant l'épreuve, je me sens bien, je travaille plutôt propre, et les préparations sont bien cuites, sont bien parfumées, bien assaisonnées. J'avance petit à petit, et puis voilà, je ne suis pas pris par le temps pour une fois, donc ça va, je suis rassuré. Malgré l'enjeu, Brahim n'a jamais été aussi confiant. Ça ne va pas durer. Fait chier. La mousse n'était pas encore tout à fait figée. C'est un carnage. Il faut absolument commencer, sinon c'est mort. On recommence au truc. C'est le dessus de la tartelette. Il faut que je puisse la faire bloquer bien comme il faut en cellule. Que ça prenne bien le froid. Mais voilà, faut que ça aille vite, quoi, la cellule, parce que ça m'embête. Brahim change de stratégie. Cette fois-ci, il coule directement la crème sur la base de sa tarte. Il compte mettre ensuite l'ensemble dans la cellule de refroidissement pour faire prendre sa préparation. Oui, mais voilà, à moins de 20 minutes de la fin de l'épreuve, cette cellule, tout le monde en a besoin. En cellule, c'est vrai que c'est un peu le boxon. Tout le monde a mis ses gâteaux, ils sont tous en train de refroidir. Et là, il y a Brahim qui ouvre sans cesse la cellule. Il vous reste 15 minutes. Parce que là, moi, j'ai besoin que mon truc y prenne. Donc la cellule passe de moins 30 à moins 40 d'ordinaire à moins 3 degrés. Ferme la cellule, s'il te plaît, Brahim. Quand je vois Brahim, tout gentil qu'il est, travailler dans la cellule pour vider sa tarte, je trouve que c'est pas cool comparé aux autres concurrents. Vas-y, il me rend ouf, je te jure. Hein. Il me rend ouf. Je pense lui avoir dit une première fois, il a fait la sourde oreille, la deuxième, la même chose, c'était à plusieurs fois d'intervalle, et à la troisième, mais attends, ne pense pas qu'à toi, quoi. Ferme la cellule, Brahim, s'il te plaît. j'arrive, c'est bon. Ouais, mais tu travailles dedans, là. C'est pas un endroit où on travaille, une cellule de refroidissement, et je le voyais aller sans cesse toucher sa tarte qui était en plus coulée, il n'y avait rien besoin de plus, et ouais, j'avais les boules, quoi. Il n'y a pas que moi, il y avait Camille, sa mousse devait prendre. Hey Brahim, ferme la cellule, s'il te plaît. Je suis là et je commence à bouillir sur mon poste de travail parce que je le vois qui fait des allers-retours sans arrêt et qui ouvre la cellule à n'en plus finir. J'étais en train d'essayer de me faire de la place pour moi aussi. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé que non plus que j'ai abusé avec la cellule. C'était pas rassuré, peut-être, ou un peu un manque de confiance, ou je sais pas. Regarde à combien elle est, elle a moins 7, il y a des mousses qui doivent prendre. Ouais, mais ça va, c'est pas ma faute. Il n'y a plus de place, je suis en train de galérer depuis tout à l'heure.
Il vous reste 10 minutes. Là, je me dis que ça va commencer à être un peu chaud pour moi et un peu chaud pour que mon entremet soit pris dans les temps. De leur côté, Audrey et Yann ont fait le choix de travailler des desserts à l'assiette. Ils n'ont plus que quelques minutes pour réaliser un dressage à la hauteur des attentes de Philippe Conticini. Audrey a prévu des décors en disque de meringue, une préparation qu'elle a déjà réalisée des dizaines de fois. Là, j'essaie de décoller ma meringue qui, visiblement, n'a pas envie aujourd'hui de se décoller alors que j'ai jamais eu de soucis avec de la meringue. Il faut un début à tout. On approche de la fin et du moment du dressage. Et les meringues, bah, c'est là où c'était un peu décevant, c'est que c'était pas bien sec. Donc j'ai galéré un peu pour les démouler, et elles se sont fissurées et esthétiquement, c'était pas aussi joli que ce que j'avais en tête. Et merde. Les disques de meringue d'Audrey ne sont pas aussi nets que prévu, mais la jeune femme va devoir faire avec. Il est trop tard pour les recommencer. De son côté, Amaury finalise la forme de son gâteau qui doit rappeler le calisson. Avant de se concentrer sur le décor, un de ses points forts. Mais il doit faire vite. Le temps file et on a une pression pas possible. C'est plutôt chaud, là. Je fais un pochoir sur du papier rhodoïde et je réalise une glace royale jaune. Donc blanc d'œuf, sucre, jus de citron et colorant jaune. Et je viens, hop, étaler la glace royale sur ma pâte d'amande pour avoir ce joli dessin. Ensuite, je viens disposer un petit peu de fruits confits en brunoise et quelques bâtonnets d'amande, ce qui reprend en fait tous les intérieurs, la conception de mon gâteau. Attention, toutes les assiettes doivent être dressées dans maintenant 5 minutes. Oh putain. Ça sera jamais pris. Mon entremet est clairement pas pris, donc je me dis, voilà, quitte à ce qu'il soit pas pris, tant pis, je vais présenter quelque chose de décoré au jury. Je mets quelques petites fleurs bleues et puis des petits morceaux de kumquat confit que j'ai fait au préalable, ainsi que quelques morceaux de melon confit sur le dessus. Donc au niveau du visuel, mon gâteau me plaît. Et par contre, il y a encore le cercle autour et puis je prends conscience à ce moment-là que je pourrais pas le retirer. Yann termine le montage très élaboré de son dessert à base de biscuits à l'amande et de crème amande fleur d'oranger, le tout entouré de feuilletine. Il ajoute un disque de pâte de calisson, une crème à l'orange et enfin son décor à base de meringue et de glace royale, surmonté de crème à l'orange et d'une brunoise de fruits. Audrey dresse son biscuit, sa mousse d'amande et sa crème amande fleur d'oranger. Elle doit encore poser son disque de meringue et sa quenelle de glace. Mon gâteau est ni masqué, ni droit, enfin rien de ce que je voulais. Putain. Là, pour être honnête, je fais un truc que je déteste faire, c'est finir à l'arrache. Une minute. J'ai juste le temps de poser mon décor bien appliqué dessus. J'essaie de faire une assiette propre et je rajoute des petits pignons de pain que j'avais fait torréfier un petit peu pour rappeler un peu la Provence et tout ça, donc ça va bien ensemble, je pense. Il ne reste plus que quelques secondes à nos cinq pâtissiers pour finaliser leurs calissons revus et corrigés qui seront dégustés à l'aveugle par le jury. Deux concurrents quitteront ensuite définitivement l'aventure. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est terminé. S'il vous plaît. Donc il y a une grosse déception sur le rendu final. Moi, personnellement, si j'avais une boutique, je le vendrais pas. Hein. Il y a beau avoir un joli dessus bien appliqué, si les côtés, c'est dégueulasse, c'est pas vendable. Oh putain. Là, je le présente comme ça, avec le cercle autour. Je me dis, tant pis, les goûts sont là. Le visuel y est, et il y a simplement le cercle qui est là. Mais je préfère présenter mon entremet avec le cercle que risquer que ça s'effondre en le retirant à la dernière minute et puis présenter quelque chose de vraiment pas terrible au jury. J'espère qu'ils seront indulgents. L'objectif, évidemment, c'est de rester. J'ai un bon pressentiment. Je pense que ça va se jouer au goût plus qu'à l'esthétique, à mon avis. Chers amis du jury, je suis ravie de vous retrouver pour cette dégustation à l'aveugle. Nos cinq pâtissiers ont réinterprété le fameux calisson à la demande de notre invité de marque, Philippe Conticini.
Je vous rappelle, cher Philippe, que vous avez un devoir de réserve puisque vous avez été présent lors des 2h30 de préparation tout à l'heure. Alors, on va procéder à cette fameuse dégustation et je propose de découvrir ensemble la première réalisation. Eh bien, on y va. Raffiné. Cette première réalisation s'appelle À Califourchon. C'est donc le dessert de Yann qui ouvre la dégustation. C'est pas mal, il y a du boulot, c'est bien. Un très beau travail. Moi, lorsque je ferme les yeux, je mange un calisson. Donc, je suis plutôt satisfait. Je le trouve très bon. On a la texture du calisson par la pâte d'amande, on sent bien, on est dans le calisson, il colle bien au sujet. Moi, ce que je reproche un tout petit peu, on n'est pas assez dessert. Je vois exactement cette idée-là. Moi, je le ressens un peu ouais. Comme ça, on est presque confiserie. Ah, vous êtes dur, je trouve. Il y a la texture du calisson, il y a le travail des couches, c'est pas mal du tout. Ça manque peut-être un tout petit peu de saveur, mais c'est quand même pas mal. Je vous propose de découvrir maintenant la Calistart. Ah. C'est donc le dessert de Brahim qui passe maintenant devant le jury. Alors, cette tarte, ça vous étonne de retrouver le calisson sous forme de gâteau, de tarte traditionnelle? Alors, moi, j'adore les grands gâteaux. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à diffuser toutes les saveurs. Et c'est une vraie technicité, c'est un vrai savoir-faire. À l'inverse d'un dessert à l'assiette qui est beaucoup plus facile et rapide à réaliser. Elle fait gourmande, mais je vois déjà des choses qui ne me plaisent pas. Comme Le pignon trop cuit, la pâte sucrée pas cuite, c'est déjà des choses où vous me dites. Donc j'essaie de me dire que si c'est très bien monté à l'intérieur, ça peut peut-être cacher certaines choses, mais il va falloir vraiment que ça soit très bon. C'est bon, mais c'est pas dans le thème. Bon, mais pas dans le thème, ça veut dire quoi? Elle est bonne, mais ça sent pas le calisson, quoi. L'idée de la tarte est super. Les crèmes sont bien réalisées, les ingrédients ont été bien faits, le montage est moins réussi. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, l'élément, par exemple, pâte d'amande que j'adore dans le calisson, je le retrouve pas du tout. On dirait une tarte à l'orange de Provençal, quoi. On a un produit qui est pas très beau, qui est pas très sexy, qui est pas très élégant. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. Moi, je me régale, je peux me prendre une part directe. Non, mais il a rien. Enfin, c'est bon, quoi. Il faut arrêter de délirer, quoi. Bon, en tout cas, c'est un dessert qui ne vous laisse pas indifférent. Non. Et je vous propose de passer à la dégustation suivante. Comme un calisson. Très élégant. Très élégant. Ce troisième dessert, inspiré du calisson, a été réalisé par Audrey. Ouh, ça a l'air top en texture. Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air bon, ça. Mais il a l'air... En 5, il a en 5. L'air... En 5, hein. Ah. Très très bien, ça a l'air... Ça a l'air appétissant. Ouais. Ah, moi j'aime beaucoup, je trouve équilibré, je trouve qu'il y a, touille. Quand je ferme les yeux, voilà, c'est le calisson que j'ai en bouche, je trouve que c'est un vrai gâteau. Il y a un très très beau travail de recherche, tant sur la présentation que sur les textures, et une vivacité en bouche. S'il finit pas, je mange la plaque. C'est très bon. Juste un petit bémol, ça sent un tout petit peu trop l'orange. Et là, je me retrouve presque plus sur un gâteau à l'orange que sur le calisson. Ceci étant dit, c'est vachement bon. Moi, je oserais dire que c'est un dessert digne du titre de cette émission. Ah ouais, c'est très très bon. Et moi, très honnêtement, un dessert comme ça où on a envie d'y revenir, moi, je signe. Pour moi, c'est vraiment un produit qui est très bien. Je pense que là, on a un très bon dessert, mais j'aurais souhaité que ça soit plus fini. Je trouve qu'on a mis de la feuilletine autour. Pour moi, la feuilletine, c'est un cache-misère. J'aurais souhaité avoir un petit gâteau plus fin. Si on veut le meilleur, c'est bien, c'est bon. Il aurait pu peut-être le fignoler un peu plus. La dégustation continue avec la réalisation de Camille. Voici le Koum Calisson. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est alors, toi qui l'as coupé. C'est une blague. Ce dessert vous est présenté de la manière dont il est sorti après 2h30 de travail.
Le cerclage n'a pas pu être enlevé comme vous le voyez. C'est dommage parce que l'aspect visuel déjà... Ah, il donne envie. Il donne envie. C'est dommage, wow. C'était joli. On a un côté très, très gélatineux, je trouve une texture qui est collée, comme on dit dans le métier. Ça veut dire que quand on a mis trop de gélatine, et donc il y a une certaine élasticité. Et je comprends pourquoi il était cerclé, parce qu'à mon avis, il n'était sûrement pas pris. Philippe, je vois vers oui, hocher de la tête. Vous êtes d'accord avec Pierre? Ah bah là, je partage à 100% ce que vient de dire Pierre. On est vraiment loin, pour le coup, du calisson. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pierre et Philippe. Je trouve que la mousse est extrêmement aérée. Je trouve que c'est très agréable. Elle est posée sur une sorte de biscuit pain de Gênes avec des fruits secs, il y a cette marmelade. Je trouve ça plutôt très intéressant. Par contre, malheureusement, ce qui dessert ce dessert, c'est cette glace royale qui apporte beaucoup trop de sucre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la délibération ne va pas être simple pour vous. Il reste un dernier gâteau à juger, c'est celui d'Amaury. Allez, dégustation suivante. Vous allez pouvoir déguster infiniment calisson. Ah non, c'est très bien. Joli, en fait. Très joli. Splendide. Très, très joli. Si on fait abstraction du bord, c'est certainement le gâteau le plus joli qu'on a vu. Mais c'est surtout le seul gâteau qui a une vraie forme de calisson. Ah merde, là, la structure est quand même vachement intéressante. La structure est... Des éclats de ça, chocolat c'est pour toi, il y a du gruet. C'est du chocolat, il y a du gruet. Du gruet, c'est des éclats de fèves de cacao. Donc c'est la fève de cacao qui a été éclatée en petits morceaux, et on appelle ça du gruet. Premières impressions, Philippe? Quand on l'a dans la bouche, alors il y a de la mâche, il y a de la texture, ça c'est agréable. Il y a un goût de chocolat un peu prononcé, là pour le coup, qui n'a rien à voir avec le calisson. Je ne suis pas dans l'univers du calisson. Pierre Marcolini? Quand on sait qu'ils ont 2h30, il y a vraiment du travail. Travail, d'accord, mais est-ce que c'est bon? Non, pas pour moi. Moi, je trouve que c'est très, très sucré. Et il y a un décalage entre l'intérieur et la présentation. À Christophe Michalak, qu'est-ce que vous pensez de ce gâteau? C'est infiniment délicieux. Ma réponse va être très simple. Vous regardez juste mon assiette. C'est la première fois que je ne finis pas un gâteau. Trop complexe, pas assez maîtrisé. C'est dommage parce que le look du dessus est vraiment digne d'un bon concurrent, on va dire. Mais il y a quand même du travail. Mais il y a beaucoup de travail voilà, technique. Travail, oui. Absolument. Donc ça sera important à la fin, puisqu'il n'en reste plus que 5. C'est à vous donc de décider qui sont les 3 pâtissiers qui vont rejoindre Ivan pour la suite de la compétition. Oui, bah, je préfère être à ma place qu'à la leur. Chers pâtissiers, vous le savez, seuls 3 d'entre vous vont retrouver Ivan pour la suite de la compétition. C'est l'heure du verdict. Mais avant cela, Christophe Michalak, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la dégustation que vous venez de faire? Il a été très, très dur pour nous de faire un choix. Extrêmement dur, d'ailleurs. Je pense que c'est la première fois lors de ce concours où on se concerte autant. Et il y a malheureusement 2 produits qui étaient un chouille, si je puis dire, en dessous de la compétition. Nos 5 pâtissiers en danger sont fébriles. Aucun ne se sent à l'abri de l'élimination aujourd'hui. C'est le moment pour le jury de rendre sa décision et de désigner les 2 concurrents qui vont maintenant quitter l'aventure. Pierre Marcolini, je crois que vous avez ce soir la lourde tâche d'annoncer le verdict de cette dégustation faite à l'aveugle. Vous ne savez absolument pas qui a fait quoi. Néanmoins, vous avez pris tous les 4 une décision. C'est une épreuve éliminatoire et donc il y a 2 pâtissiers qui vont nous quitter. Le premier... dessert qui nous a vraiment malheureusement pas séduit comme on aurait voulu l'imaginer. C'est la Calistarte. Ben voilà, c'est fini, extrêmement déçu. Dommage, je voulais au moins être dans les 4 derniers, mais bon, ça sera. Tant pis, c'est pas passé. La première chose, on a trouvé que la pâte n'était pas assez cuite. On trouvait qu'effectivement, les bords n'étaient pas très, très bien finis. Et puis, où tu nous épates, c'est on coupe, on goûte,
Et vraiment, c'était étonnant, parce qu'en dégustation, on s'est régalé. Par contre, c'était hors sujet. C'était une bonne tarte à l'orange, mais que c'était pas, si tu veux, ce qu'on attendait d'un calisson. Le second, qui vous a le moins convaincu? Le deuxième dessert qui nous a un petit peu surpris. C'est le koum calisson. Camille, on s'est retrouvé avec un entremets où on avait l'impression que tu n'avais pas eu le temps de finir. On s'est retrouvé avec l'inox autour, donc c'est un peu difficile. Si on l'avait vu sans le cercle, il y avait un tel effet, il y avait une telle recherche, il y avait de la délicatesse, il y avait vraiment de l'élégance. Et ça, vraiment, c'était superbe. Et puis, au moment de la dégustation, c'est là où, malheureusement, ça s'effondre. En termes de texture, en termes d'accord, en termes d'équilibre, malheureusement, c'était très, très sucré et c'était terriblement éloigné de l'esprit du calisson. C'est un peu frustrant d'arrêter l'aventure aujourd'hui parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fini quelque chose, de quelque chose d'inachevé. Je pars avant la fin et voilà, j'aurais eu envie d'être excellente dans ce concours et ça n'a pas été le cas, donc voilà. On est tous vraiment touchés que vous partiez. C'est la règle de ce concours. Brahim, tu repars pas comme ça, les bras ballants. Tu repars avec du savoir. Oui, ça. Je pense que tu auras beaucoup appris pendant ces jours de concours. Camille, tu es toute jeune, j'ai un petit-fils de ton âge. Je peux te dire que je serais fier qu'il soit arrivé à ce stade-là du concours. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Bonne chance aux autres. Camille et Brahim, vous allez quitter l'aventure ce soir. Un petit mot, peut-être, Camille, à nos chefs. J'ai été très contente de participer à ce concours. Je vous remercie tous et d'autant plus contente que je pars aujourd'hui en ayant rencontré Philippe Conticini. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Brahim. Moi, pour moi, c'est un rêve. J'arrive de rien du tout. Jamais j'aurais cru qu'un jour, je serrais la main à M. Michalak ou M. Conticini, M. Adam, Marcolini, Ivraca. Donc c'est que du bonheur et je souhaite bonne chance aux quatre candidats qui restent. Camille Ibrahim, bravo et merci. À très bientôt. Merci. J'espère que l'on vous reverra très rapidement. Vraiment, ce que je retiens, c'est jamais autant qu'on ait d'émotions en un si peu de temps, de passer du chaud au froid et du froid au chaud très vite. J'ai eu le cœur à 100 000 pendant toutes les épreuves. Bonne continuation. Il ne changeait rien pour la gourmandise. Ouais, très bien. Moi, je suis venu sans rien, je repars avec beaucoup. J'aurais bien sûr aimé continuer jusqu'à la fin pour aussi avoir le mérite de pouvoir dire j'ai été en finale ou j'ai gagné l'aventure, mais peut-être que dans 10 ans, je serai une grande chef pâtissière reconnue, je ne sais pas. Amaury, Yann et Audrey ont sauvé leur place dans le concours aujourd'hui, mais le jury a un message à faire passer à l'un des trois pâtissiers. Moi, j'aimerais savoir qui a fait infiniment calisson. C'est moi. Amaury, comme on dit dans le jargon, t'as eu très chaud aux fesses. Le gâteau était beau sur le dessus. Sur le contour, on n'en parle pas, c'était vraiment pas à la hauteur. Mais il y avait surtout beaucoup de techniques qui ont fait que j'ai voulu absolument faire en sorte que ce gâteau continue l'aventure. C'était vraiment, vraiment limite de chez limite. Pour Amaury, c'est un avertissement sans frais. Mais il faudra redresser la barre. Ivan, vous pouvez retrouver vos camarades. Vous n'êtes plus que 4, Amaury, Yann, Audrey et Ivan. Prochaine étape au menu, les formations. Vous allez partir 2 jours en formation chez de grands pâtissiers. Vous allez intégrer leurs équipes, travailler avec eux, apprendre, mais aussi et surtout être évalué. Je vais maintenant vous répartir par groupe de 2 et celui qui aura été désigné comme le pâtissier le moins convaincant de son groupe se retrouvera en épreuve éliminatoire. Amaury et Yann, vous allez passer 2 jours chez Laurent Jeannin, meilleur pâtissier de l'année 2011. Christophe Adam, vous le connaissez bien ? Oui, je connais très bien Laurent. Il fait partie des vraiment très belles tables pour manger des très beaux desserts. Laurent, c'est quelqu'un qui va vous demander d'être très pointu. Et je compte sur vous pour nous montrer qu'on a fait le bon choix, surtout. Quant à vous, Audrey et Ivan, direction la Normandie. Vous allez rejoindre l'un des chefs les plus créatifs de sa génération. Il s'agit de Jean-François Fouché.
Christophe Michalak, vous le connaissez bien? Oui, en effet, je connais bien. Il a un style que j'ai rarement vu. Et je pense qu'il a un réel don à travers le décor et à travers les fines pâtisseries qu'il réalise. Essayez de vous nourrir de tout ça et épatez-le. Profitez bien, chacun d'entre vous, de ces quelques jours avec des grands chefs pâtissiers. Et lorsque vous reviendrez, eh bien, deux d'entre vous seront sur la sellette et devront défendre leur place lors d'une prochaine épreuve éliminatoire. D'ici là, profitez-en et ramenez-moi quelques douceurs, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'il y a un robot chef pâtissier de Kenwood et son kit pâtisserie à gagner. Vous participerez également au super tirage au sort pour gagner la somme exceptionnelle de 10 000 euros en répondant à cette question. Dans le calisson d'Aix, il y a du 1. Concombre, 2. Melon. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7-10-20 ou téléphonez vite au 32-43. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Bonne chance. C'est dans les beaux quartiers de la capitale qu'Amaury et Yann vont passer les deux prochains jours. Ils seront plongés au cœur des cuisines d'un palace prestigieux. Bonjour. Bonjour. Nos deux pâtissiers vont travailler sous les ordres de l'un des professionnels les plus réputés et les plus exigeants de la discipline, Laurent Jeannin. Je suis Laurent Jeannin, je suis pâtissier depuis 25 ans et depuis 5 ans, je suis donc chef pâtissier de l'hôtel Le Bristol Paris. J'ai une expérience de palace, bien évidemment, mais surtout une passion des palaces et une passion pour la gastronomie française. Il est là. Quand on vient dans un établissement comme chez nous, on vient chercher aussi des émotions. Quand le client va repartir, qu'il se souviendra de son dessert, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Nous allons recevoir deux candidats. Est-ce qu'ils ont le niveau d'excellence pour travailler dans notre équipe? C'est 500, 600 couverts par jour et chaque client doit être content. Ce qu'il faut savoir, vous allez intégrer donc une maison 3 étoiles. On est dans un lieu d'exception. On se doit de faire rêver le client, en fait. Mais avant de faire rêver le client, il va déjà falloir convaincre le chef. Direction donc le laboratoire de pâtisserie. Sans attendre, les choses sérieuses commencent. On va vous demander, en fait, de créer un dessert en 1h30 autour de la fraise. Un dessert qui crée des émotions, qui surprend. Donc moi, j'aimerais que... Il faut que je crée un dessert à la fraise cette année, donc j'aimerais que vous me donniez des idées, finalement. Donc, vous avez un poste chacun à votre disposition. Les 4h10, on y va, monsieur. Dans 1h30. Oui. Pas le temps de réfléchir, et 1h30 seulement pour proposer au chef une création autour de la fraise. Ici, seuls les meilleurs ont leur place. Yann et Amaury doivent faire leur preuve. Déjà que la pâtisserie de restauration, c'est pas mon domaine de prédilection. En plus, il faut créer quelque chose d'innovant qui plaise au chef et tout ça en 1h30. Donc, ouais, il y a un petit peu de pression, ouais. Je vais essayer de faire la pâtisserie que j'aime faire et puis on verra si ça lui plaît. Voilà les fraises sifflerettes, monsieur. Chez vous, je goûterai le produit avant de commencer. Ce ne sont pas les mêmes fraises que les gariguettes, ce ne sont pas les mêmes que les maras des bois. Ça a vraiment une saveur particulière. Nos deux pâtissiers veulent impressionner le chef. Ils savent qu'au terme de ces deux jours de formation, le moins convaincant d'entre eux se retrouvera en épreuve éliminatoire. Cette première journée est donc déjà décisive. Moi, je suis parti sur de la pâte à choux, dressée très fin, avec, si j'ai le temps, une petite confiture à la fraise et au vinaigre balsamique. Là, je suis parti vraiment sur un dessert qui peut être fait en boutique, mais que je vais essayer d'affiner pour l'assiette. Je vais partir sur une fine meringue fondante avec donc une émulsion thym citron. Là, j'ai préparé mon bain marie sucre avec mon thym citron. Le restant de fraise, je vais les passer, je vais les mixer pour faire mon coulis, juste pour faire ma décoration à la fin. Pour l'instant, on voit que là, il y a un jus de fraise au thym, c'est assez créatif. Là, on voit que lui fait son coulis, il a fait une pâte à choux avec du craquelin dessus. Donc ça va lui donner des sortes d'éclairs faits de petits points. Donc c'est intéressant. On va laisser venir là, on va attendre. Laurent Jeannin est attentif au travail de nos pâtissiers. Aucun détail ne lui échappe. Et la moindre imperfection est pointée du doigt. C'est ça, l'exigence du travail en palace. Fais gaffe à ton sucre, grand. Oui. Goûte les choses. Sans, tu goûtes. Parce que tu vois, là, ça a coloré. Peut-être ça a pris un goût de caramel trop cuit.
ça va. Non, ça va. Ok. C'est toi qui vois. Attention toujours à l'épaisseur des opalines. Une opaline trop épaisse va tenir plus longtemps, on est d'accord, mais elle est moins bonne à manger. Donc attention à la finesse d'une opaline. Il y a du stress, donc bon, faut courir un petit peu partout, mais sinon ça va, faut que je visualise mon dessert. En gros, on a deux styles de desserts qui sont en train d'être faits. On a un dessert très pâtissier, qui est base de pâte à choux, craquelin. On a quelqu'un qui a fait quelque chose d'un peu plus créatif, qui allait plus vers le thym, qui allait fraise, thym, des petites opalines, simplicité, le goût. On peut pas dire que quelqu'un se le tâche encore. Après, il faut déguster maintenant. Là, il semble qu'on s'achemine, messieurs, vers le dernier quart d'heure. Oui, chef. Donc, chef. Laissez-vous bien 7-8 minutes pour le dressage. Deux assiettes. C'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud, là. Plus que 15 minutes, et nos deux pâtissiers sont encore loin du but. Dans la précipitation, Amaury récupère ses éléments de décoration à base de caramel à la fraise. De son côté, Yann commence le dressage de ses assiettes. Attention les gars, ne vous compliquez pas trop la ville. Allez à l'essentiel, il vous reste 6 minutes. Oui. Ils peuvent y arriver, bon après... ça va être chaud. Hein. Bon, messieurs, encore 4 minutes. Oui, chef. C'est la dernière ligne droite. Amaury et Yann sont de plus en plus fébriles. Ah, putain de connard. Bon, messieurs, une minute, là. Oui, chef. T'as rien oublié de mettre, là ? T'oublies rien sur tes assiettes, Amaury, là ? Quelque chose que t'as fait ou t'as passé du temps à faire ? Merci, chef. Merci, Amaury. Merci, chef. Yann, c'est bon ? Oui. Tu me donnes tes deux desserts, tu me les finis, s'il te plaît. Yann doit mettre les bouchées doubles. L'élément principal de son dessert n'est toujours pas terminé. C'est une crème anglaise au thym et au citron garnie de fraises pochées que le pâtissier va cuire, à froid, dans de l'azote liquide. 10 secondes. Ah. Yann ? Oui ? Tout de suite, là. Tout de suite, le dessert. Ah, Yann, s'il te plaît. Oui. Le client, il attend, là, mon grand. Yann, c'est quand tu veux, hein. C'est bon. J'ai bâclé. On peut avoir les desserts, s'il vous plaît, ou pas, là ? Oui. Bon, eh ben, on va déguster tout ça, hein. Ces 90 minutes de travail se terminent dans la douleur pour nos deux pâtissiers. Mais pas sûr que la dégustation qui s'annonce soit moins éprouvante. Le chef et son équipe goûtent le dessert de Yann, puis celui d'Amaury. Bon alors, là, Amaury, t'es allé vers quelque chose de très pâtissier, tu vois. C'est très bon. Au niveau du style, c'était propre, c'était maîtrisé. T'as envoyé, c'est bien, le client n'a pas attendu. Au niveau des émotions gustatives, on n'y est pas. Yann, il est allé, lui, vers une autre option, plus restauration. Il y a un confit de fraises, il y a un glacé, je suis d'accord. Pour moi, à aucun moment, dans ces desserts, je sens l'ingrédient premier qui est la fraise. Cette fraise, elle avait un goût de pêche naturellement. Vous n'avez pas exploité. Une fraise, à peine de sucre, un peu de balsamique ou du thym citron comme tu avais fait, c'était royal. Là, t'aurais pu faire autre chose comme forme de pâte à choux. Non, t'es resté sur ce que tu sais faire. T'as pas créé. Yann, je suis pas sûr que t'étais obligé de faire des triangles, mais ça aurait pu être des petits morceaux de meringue qui venaient comme ça, tu vois, un petit peu comme ça. Ça, enfin bon, il y avait plein de choses à faire. Mais avant tout, vous avez oublié le produit. Et ça, on peut pas l'accepter. Le verdict de Laurent Jeannin est sans concession. Mais dans un établissement comme celui-ci, c'est la règle. Et si nos pâtissiers ont souffert aujourd'hui, ce n'est rien à côté de ce qui les attend demain. Demain, vous allez faire la mise en place et le service du déjeuner avec mon équipe. Ce que j'attends de vous, c'est que vous sortiez le dessert du menu de saison et vous allez voir ce qu'est un dessert pour moi. Et attention, parce que demain, les clients, ils n'attendent pas ici. Hein. Donc, je vous dis à demain et puis bah, dormez bien, faites de beaux rêves.
C'est vrai que partir en une heure et demie dans de la pure création, j'allais pas prendre des risques jusqu'au point de pas savoir ce que je faisais. Je me suis rentroché de ce que je savais faire. Je pense que dans certaines maisons, c'est plus que bien, mais c'est vrai que dans un palace, ça passe pas du tout, quoi. C'est inacceptable, ça passe tout pour le personnel, ça. J'ai même pas le temps de bien finaliser mon dessert. Du coup, j'ai posé, j'ai même pas le temps de recentrer mes meringues. J'ai juste posé et ça partait, quoi. Ici, seule la perfection est acceptable. Amaury et Yann l'ont bien compris. Et pourtant, aujourd'hui, leurs assiettes n'étaient pas destinées à la clientèle. Nos deux pâtissiers savent que le plus dur reste à venir. C'est donc à Cherbourg, à l'extrémité du Cotentin, dans le département de la Manche, qu'Audrey et Ivan vont rencontrer un pâtissier à la créativité débordante. Son nom, Jean-François Fouché. Bonjour. François. Audrey. Enchanté. Ivan. Bonjour. Je m'appelle Jean-François Fouché. J'ai principalement fait de la restauration depuis une vingtaine d'années. Il y a 2 ans et demi, j'ai ouvert une pâtisserie à Cherbourg. Ce que j'ai vraiment voulu faire, c'était une pâtisserie de marché. Hein. Suivant ce qu'on trouve, eh ben, on fait un plat du jour. Bon, ben là, c'est pas un plat du jour, mais c'est un dessert plus ou moins du jour. Donc, ça nous fait travailler un petit peu notre créativité. Je suis un pâtissier ultra technique, mais j'aime travailler dans l'émotion, dans la recherche des goûts, dans la recherche du visuel. J'essaie de faire des choses que j'ai jamais vues. Visuellement, il faut que ça soit fin, élégant, raffiné. Il doit y avoir le visuel et le goût, mais aussi, pourquoi pas, une autre émotion. Ça peut être de l'odorat, ça peut être une sensation de cassant. Il faut qu'il y ait autre chose. Je suis très heureux de recevoir ces deux pâtissiers. Ce que j'attends d'eux, c'est que ça soit un travail très organisé. Et d'un autre côté, hein, il faut se laisser aller, il faut tout explorer, pas de limite, aller jusqu'au bout des choses. Ici, en Normandie, nos concurrents vont passer les 2 prochains jours dans l'univers hors norme de ce pâtissier méconnu, mais unique en son genre. Jean-François Fouché n'a peur de rien, qu'il s'agisse de visuels décalés, comme ce gâteau à la fausse tache de sang, ou des saveurs les plus inattendues, comme par exemple cet entremets aux champignons. J'arrive de la restauration, donc c'est un mix entre pâtissier de restaurant et pâtissier de boutique. Nos pâtissiers sont aussi là pour apprendre, et le chef veut leur faire partager sa vision du métier. C'est une expérience gustative incomparable qui attend Audrey et Ivan. Je vous ai préparé un petit peu mes desserts phares. Une tarte spéculoos avec une marmelade pomme et citron vert. Et donc je fais juste le glaçage au coquelicot sur le dessus. C'est vachement bon. Les spéculoos, c'est la fin. Hyper original au niveau goût. Celui-ci, c'est un dessert opéra. L'opéra traditionnel est à base de biscuits moelleux, de chocolat et de café, et sa forme est d'un classicisme absolu. Mais chez Jean-François Fouché, bien sûr, il n'a plus rien à voir. Donc, on l'a complètement revisité. Hein. Je suis parti, pour moi, opéra. Je suis pas parti sur le gâteau, je suis parti sur la musique. Pour moi, c'est l'univers des sens. Ça casse, il y a plusieurs textures. Moelleux, le cassant autour. J'aime pas le café, donc je l'ai fait à la piste. Vous avez vu les mousses trop légères, etc. Moi, ça me plaît pas. Moi, j'aime bien que quand je mange un gâteau, vous voyez qu'il y ait du... qu'il y ait de la matière, quoi. Sortir des sentiers battus, pour le chef, c'est essentiel. Et il veut savoir si nos deux pâtissiers seraient capables de le surprendre en s'inspirant de son travail. Il va donc les tester. Demain, ce qui vous attend, vous mettez les bottes, on va au marché, on va choisir les produits, aussi bien des fruits que de la crème et du beurre et du camembert, tout ce qu'on vous voudrait. Et puis, je vous en dirai un petit peu plus demain matin sur ce qu'il faudra faire. Pour l'instant, le chef fait des cacheteries, mais nos deux pâtissiers savent qu'ils doivent être capables de relever tous les défis. Alors demain, je veux qu'ils fassent un dessert à base de fruits et légumes. Bah déjà, ça va leur mettre une petite pression. Ouais. J'espère qu'ils ont retenu ce qu'ils ont vu dans mon magasin et qu'ils ont compris un petit peu ce que je fais comme pâtisserie. Un dessert à base de légumes. Nos deux pâtissiers n'en ont bien sûr jamais réalisé. Pourtant, ils devront être à la hauteur des attentes du chef pour espérer échapper à la prochaine épreuve éliminatoire. À Paris, quand un amour fleurit. Retour à Paris, Amaury et Yann retrouvent le chef Laurent Jeannin pour leur 2e journée de formation dans un grand palace de la capitale. Ah, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Bon, alors, bien dormi? Bien dormi. La veille,
Confrontés aux premières exigences du chef, nos pâtissiers ont souffert. Mais aujourd'hui, le défi sera encore plus difficile à relever. Donc aujourd'hui, vous intégrez notre équipe pour le restaurant 3 étoiles. Vous allez être en binôme pour la mise en place. Et ensuite, on fait le service ensemble. Nat Amori, tu vas te mettre avec Nicolas. Oui. Et Yann, tu vas te mettre avec Yusuke. Ok, très bien. Première étape donc, la mise en place. Il s'agit de réaliser, à l'avance, tous les éléments qui n'ont pas besoin d'être préparés à la minute pendant le service. Et aujourd'hui, nos pâtissiers veulent relever la tête. Hier soir, je voyais Amaury, on était un petit peu dépité, déçu, mais c'est bien, parce que je pense qu'il en faut un petit peu, il faut un petit peu de déception pour faire prendre conscience qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, quoi. Les desserts de Laurent Jeannin requièrent une technique de très haut niveau. Le chef fait lui-même la démonstration du dressage de son dessert phare, le chocolat Nyangbo, à base de tuiles croustillantes au chocolat, de cacao liquide, de sorbet au chocolat et feuilles d'or. C'est du chocolat Nyangbo. D'accord. Un chocolat qui vient en provenance du Ghana. Voilà. Faut pas que votre emporte-pièce soit trop chaud non plus, sinon ça brûle le chocolat. Vous percez bien au centre, sur le dessus. Voilà, vous essuyez votre emporte-pièce à chaque fois. Donc, vous faites le premier du dessus, les cinq, oui, des bords. Très bien. Et après, on complète. C'est vrai qu'on est un petit peu dans l'orfèvrerie pâtissière. Quoi. Donc, prenez un petit peu plus de temps, mais appliquez-vous. En boutique, on a rarement l'occasion de travailler sur des choses comme ça. Même quand on fait des pièces, il faut qu'il y ait une structure bien plus solide que ça. Donc, c'est agréable à travailler. Attention, là, t'as pas assez d'espace par rapport à celui-là. Tu vois, là, t'as 1 cm, là, t'as 5 mm. Donc là, tu peux pas... Là, déjà, il est foiré, celui-là. Chaque détail compte, et l'assemblage du reste du dessert demande le même doigté et la même rigueur. Tu trempes légèrement, oui, à peine, pour pas que ça se voit trop, tu vois. Tu déposes mousse chocolat. Vous garnissez à peu près à la moitié. On remonte la mousse sur les parois pour imperméabiliser la pâte à cigarette chez KO. On met à peu près 15 à 20 grammes de sirop dedans. Et là, on remet un petit peu de siphon dessus. On arrête. Et là, on lisse. On sort le sorbet au chocolat. Feuille d'or. Tu la déposes. Voilà, tu reprends. Tu remets. C'est bon ? Super. Ce soir, c'est une cinquantaine d'assiettes nécessitant la même minutie que nos deux pâtissiers vont devoir sortir. Pas question de décevoir le chef. C'est la condition indispensable pour espérer éviter l'épreuve éliminatoire. Là, gentiment, la pression va monter. Et au moment du service, là, on va voir ce qu'il y a au moment du coup de feu. Quoi. L'heure du service approche. C'est le moment de mettre nos deux pâtissiers face à leurs responsabilités. J'attends de vous que vous envoyez comme nous. Si vous n'arrivez pas à envoyer comme nous à ce moment-là, je vous demanderai de nous laisser la place et nous, on enverra. On est d'accord, le chef ? C'est pas parfait, ça ne part pas. Amaury et Yann sont au garde à vous. Ils attendent les premières commandes. Ok. Chef, s'il vous plaît, avec table 7. Oui. Premier dessert de la table 7, 2 demi-citrons, on y va, s'il vous plaît. Oui. Oui. Ce dessert est un givré au limoncello, saveur de poire et citron confit. Et dans ce palace, même la vaisselle réserve des pièges. Attention les gars, c'est des assiettes double paroi transparentes. Pour vos mailles soient super propres, sinon dès que vous touchez, vous mettez une trace. Ah là, les embrouilles commencent là. Allez, oui, on nettoie. Vite les gars, vite. Non, c'est pas ce qu'on t'a montré mon grand. Tu mets des plus petits morceaux. Et t'en mets pas partout. Là, tu enlèves la... Deuxième dessert de la 7, on y va. Deux Caraïbes, s'il vous plaît. Oui. Le chocolat Caraïbe est un dessert à base de crémeux au chocolat, d'émulsion au caramel et de glace au grain de café. Non. Je dis, faites attention quand vous posez les noisettes. Tu vois, là, t'as deux, c'est des morceaux. Là, c'est plus petit. Là, c'est pas on balance ça sur l'assiette, quoi. Allez, tu refais. Oui. Tu choisis tes petits morceaux un petit peu, tu vois. Ah là, avec amour, là, mon grand. Elle est chaude, ta sauce ? Elle est bien chaude, t'as goûté ? Non, j'ai pas goûté, chef. Goûtez ce que vous faites. Goûtez ce que vous faites, les gars. Amaury est sous pression. Yann, de son côté, perd le fil de sa préparation. Qu'est-ce qu'il vous a dit de mettre le crémeux, le mousseux dessus, là ?
Vous avez pas demandé de préparer les desserts? Le préparer, ça veut pas dire le finir. Ah d'accord, non, excusez-moi. Le service bat son plein, les commandes se bousculent, il faut accélérer le rythme. Plus vite les gars, plus vite. Vous n'avez pas à sortir le boulot. Accélérez un peu, accélérez. Hop, la sauce. Lui, il met les fils, toi, tu chauffes la sauce, tu l'émulsionnes, tu la mets dans la saucière. Prenez-vous, allez plus vite, les gars, là. Faire bien, ça veut pas dire mettre 2 heures. Hein. Service, s'il vous plaît, deuxième dessert de la 7. Oui, chef. À suivre, un Caraïbe, une orange. Oui, chef. Amaury dresse l'orange d'Espagne et les gestes du jeune homme sont hésitants. Pourtant, ce dessert à base de sorbet aux zestes d'orange, d'une écume au pralin et d'une tuile caramélisée demande une extrême précision. Détends-toi, tu le poses, basta. Ah bah, moi, je tremble tout le temps et c'est vrai qu'il y a une pression supplémentaire là sur le dressage assiette. Il faut que ce soit parfait. Service. C'est vrai qu'en plus, trembler, ça pousse à l'erreur. Enfin, c'est comme ça. Le service touche à sa fin, mais 2 desserts chocolat Nyangbo sont encore attendus en salle. C'est peut-être sur ces derniers dressages que le chef va décider du nom du pâtissier qui sera envoyé en épreuve éliminatoire. Et attention de ne pas mettre un coup dans la pâte à cigarette, sinon elle va casser. Et le sirop. Tu la déposes avec ta palette et tu fais glisser avec ton couteau par-dessus. Voilà. Service, s'il vous plaît. Les derniers desserts ont quitté le laboratoire de pâtisserie. Amaury et Yann peuvent enfin souffler. Le service a été éprouvant et le chef veut faire un dernier point avec nos 2 pâtissiers. La pâtisserie, c'est avant tout un métier qui crée des émotions. Pourquoi la pâtisserie française rayonne dans le monde entier? Parce qu'on a à cœur, sans arrêt, de vouloir progresser. Soyez dignes de tous ces professionnels qui, en France, dans plein d'entreprises, se donnent du mal dans leur métier et font rayonner la pâtisserie française dans le monde. C'est tout ce que je veux dire, mais vous êtes des garçons fabuleux. C'est bien. C'est sur ce compliment, venu d'un chef réputé pour son intransigeance, que s'achèvent ces 2 jours de formation. De son côté, Laurent Jeannin a une décision à prendre. Le chef doit maintenant désigner le pâtissier le moins convaincant à ses yeux. Il se retrouvera, alors, en épreuve éliminatoire. Du côté de Cherbourg, c'est au marché que commence la 2e journée de formation d'Audrey et Ivan chez Jean-François Fouché. C'est ici, nez à nez avec les produits, que le chef trouve tous les jours son inspiration. Je vais vous prendre quelques betteraves, s'il vous plaît. Les radis roses, vous avez ? Radis roses, ouais, j'en ai. Ça, c'est super. Asiatique vert et les ronds, c'est rose. Nos 2 pâtissiers ne savent rien du défi que le chef leur réserve. Faire de la pâtisserie gourmande en utilisant des fruits, mais aussi des légumes. Et comme nous sommes en Normandie, le chef termine cette sortie arrosée par un passage chez la crémière avant de retourner dans le laboratoire de pâtisserie. Merci, au revoir. Ça vous inspire quoi, tous ces produits? Vous les connaissiez déjà? Dans les fruits, ça va. La menthe sauvage, non, je ne connaissais pas cette variété de menthe-là. C'est la menthe la plus forte. On va faire un petit tour. Hein. Bergamote, hein, fabuleux. Hein. Des petites menthes sauvages. Ça, c'est génial. De la mélisse, la betterave, hein. Radis rose. C'est un petit peu incisif, mais ça reste le plus doux des radis. Si nos pâtissiers se demandent pourquoi le chef fait le détail de tous les produits rapportés du marché, c'est tout simplement parce qu'ils vont maintenant devoir les utiliser. Vous allez me faire un dessert avec obligatoirement un légume et un fruit associé. Vous avez déjà fait des desserts avec des légumes? Jamais. Ouais, c'est un défi qu'on n'a pas l'habitude de... Ah ouais, là, c'est un vrai défi. Vous avez la mélisse, vous avez la menthe. Ouais. Allez, mais il va falloir se lancer, hein, ouais. De toute façon. Voilà, donc vous avez 3 heures et je le mettrai à la carte la semaine prochaine. Le meilleur des 2. Voilà. OK. Allez, c'est parti. L'enjeu est capital. Le dessert le plus réussi se retrouvera donc dans la vitrine du chef pendant 1 semaine. Mais il permettra aussi au pâtissier qui l'aura réalisé d'échapper à la prochaine épreuve éliminatoire. Ils n'ont pas l'habitude de ce type de démarche. Mais c'est génial parce que moi, c'est la démarche que j'ai toutes les semaines. Donc bon, ce que j'attends d'eux, moi, c'est qu'il y ait une harmonie entre le légume et le fruit, hein, que l'un n'emporte pas l'autre, avoir plusieurs textures et que ça soit joli. Ivan choisit d'associer la douceur de la mangue sauvage avec un légume puissant.
Le radis, c'était le légume qui me parlait le plus. C'est vrai qu'en salé, j'aime bien le manger tout simplement avec du beurre, tout ça. Et petit côté piquant, ça peut être sympa. La mangue est sucrée. Et j'ai goûté un petit peu les deux ensemble. Ça peut être sympa, je pense. Audrey, de son côté, associe la betterave et le citron bergamote. C'est vraiment un produit que j'affectionne beaucoup. C'est un goût bonbon, c'est un goût de cédra, quoi. C'est super bon. Ivan a choisi le radis rose et la mangue. Ça me paraît compliqué, hein. Moi j'aurais plutôt choisi mangue et navet, pour ça aurait été mieux. Audrey est partie sur la betterave et le citron bergamote. Ça me paraît un bon choix. Au niveau des couleurs, déjà ça sera plutôt élégant. Après, le problème de la betterave, c'est que ça rend beaucoup de jus. Donc, il va falloir trouver un équilibre. J'ai jamais travaillé la betterave en pâtisserie, donc ça va être allé un peu à la débrouille et au feeling, quoi. Là, sachez que je peux l'utiliser cru, confit, cuit, donc c'est plus ça qui m'intéressait au niveau mélange de textures. La couleur est top et si je peux avoir quelque chose d'hyper visuel, ça serait pas mal aussi. En plus, c'est super dur. Je vais avoir des bras de routier à la fin de la journée. Audrey a prévu d'utiliser la betterave sous différentes formes, crue, confite, mais aussi en l'intégrant dans une préparation de meringue. Mais la jeune femme n'a pas l'habitude de travailler ce produit. Elle s'inquiète du résultat. Cette épreuve-là, déjà, c'est compliqué. Puis en plus, de se dire que voilà, à la fin, on va être jugé. Donc, c'est bien sûr, c'est flippant. Ouais. L'idée, c'est surtout de faire plaisir au chef et puis de se faire plaisir, de ne pas avoir de regrets. Je me sens en danger face à Audrey parce que elle a des techniques que moi, je n'ai pas. Ouais, je ne me sens pas vraiment à l'aise sur ce type d'épreuve, quoi. La pâte sablée, là, ça va être la base du dessert. Au-dessus, je vais essayer de pocher de crémeux citron. Et dessus, je viendrai poser mes morceaux de betterave confit. Essayer d'amener les zestes de citron, un truc avec du peps, un visuel. Je vais essayer, en tout cas. Il ne reste plus qu'une heure à nos deux pâtissiers pour terminer leur dessert à base de fruits et de légumes. Pour Ivan, c'est le moment de commencer à assembler son gâteau. J'ai un biscuit à base d'un peu d'amandes, pas très sucré. Alors là, c'est un croustillant à base de chocolat, un peu de fleur de sel et un tout petit peu de praliné. C'est pour ramener du croquant à l'entremets, à la dégustation. Ensuite, j'ai de la mousse vanille et une compotée de mangue avec des radis à l'intérieur. Au goût, c'est sympa. Alors, est-ce qu'on sent peut-être pas assez le radis? Je sais pas, mais moi, ça me plaît. Après, on verra. Le dessert d'Ivan est encore loin d'être terminé. Il doit maintenant être mis au froid et il faudra ensuite penser au dressage. Audrey, elle, a pris du retard. Plus grave, elle n'est pas satisfaite de ses meringues à la betterave. Elle doit rebondir. Là, je suis en train de faire une gelée de betterave. Dernière minute, c'était pas forcément prévu. La texture, il y a pas mal de morceaux, j'arrive pas à l'avoir super lisse. En même temps, je voulais pas mettre juste du jus, donc on va voir. On improvise clairement. Ivan a récupéré les éléments de base de ses gâteaux. Il doit maintenant les finaliser. Je vais faire quelque chose de tout simple. J'ai réalisé une gelée purée de mangue, trois petits points, avec posé vraiment une fine lamelle de radis pour rappeler aussi l'intérieur du dessert. Le jeune homme aura terminé dans les temps. Pour Audrey, en revanche, la partie est loin d'être gagnée. Allez, il vous reste 5 bonnes minutes à peu près là. Hein. C'est dans l'esprit de ce que j'avais imaginé. Je savais que le dressage, ça allait être un peu au feeling. Donc voilà, on est en plein dedans. Là. C'est bon, vous avez fini? Oui. Vous allez me redire un petit peu exactement ce que vous avez mis dedans, Audrey? À la base, il y a un petit sablé avec un peu de sésame et de fleur de sel. Ensuite, j'ai un crémeux à la bergamote et après, j'ai ma betterave confite. Il y a de la betterave crue également et puis de la bergamote confite. On en aime bien la bergamote, hein. C'est puissant. Hein. Un peu trop, ouais. Du coup, la betterave, on la perd un peu. Un petit peu, hein. On a le côté... En fin de bouche, on la sent un petit peu quand même. On a ce côté terreux, mais... Il y avait pas de meringue Quand je l'ai sortie du four, en fait, je pensais vraiment que c'était pas cuit. Elle était vraiment molle et c'est vrai que je suis partie dans ma finition. Et, après que le temps soit écoulé, j'ai goûté ma meringue et elle était bien. J'aurais pu en mettre quelques-unes. Très bien. Allez. Moi, je suis parti sur un biscuit à base d'amandes. J'ai fait un petit croustillant chocolat lait, un peu de praliné.
mousse chocolat lait et intérieur compoté de mangue avec des dés de radis ensemble. Ah, le radis, on sent. Hein. On sent bien la vanille aussi. Hein. Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de textures différentes. Hein. Pour une première avec des légumes, nos deux pâtissiers n'ont pas démérité. Désigner un des deux concurrents pour l'épreuve éliminatoire sera difficile. Le chef est fier de leur travail. Alors finalement, ces légumes, c'est pas si mal, non ? Après dégustation, oui, c'est quand on se rend compte, en fait, en pâtisserie, on n'est pas juste tenu de travailler des fruits et que le panel est beaucoup plus large. On est vraiment sur un vrai dessert avec une petite note originale. C'est souvent quand on vous dit dans la pâtisserie, il faut être hyper carré. Alors, il faut l'être, mais des fois, il ne faut pas trop l'être. Je vous souhaite bonne chance. Je m'inquiète pas pour vous, je suis sûr que ça va aller. À bientôt. Merci beaucoup, chef. Merci. Merci pour tout, à bientôt. Au revoir. Pour Audrey et Ivan, cette formation est la preuve qu'en pâtisserie, les limites peuvent toujours être repoussées. Et s'ils ont beaucoup appris pendant ces deux jours, ils savent surtout que l'un d'entre eux sera bientôt confronté à une nouvelle épreuve éliminatoire. Le chef Jean-François Fouché a désigné le pâtissier le moins convaincant. Dernière chance de gagner un robot chef pâtissier et son kit pâtisserie. Vous participerez également au super tirage au sort pour gagner la somme exceptionnelle de 10 000 euros en répondant à cette question. Jean-François Fouché vend ses créations à 1. Cherbourg, 2. Tancarville. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 71020 ou téléphonez vite au 3243. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Le nom du gagnant sera affiché en fin d'émission ce soir. Bonne chance. C'est à la Garenne-Colombes, à côté de Paris, dans la pâtisserie du meilleur ouvrier de France, Nicolas Bernardet, que nos pâtissiers se retrouvent pour la suite de la compétition, une nouvelle épreuve éliminatoire. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans notre boutique de gourmandise. Donc, soyez les bienvenus. C'est donc chez vous, Nicolas, que l'épreuve suivante va se dérouler, une épreuve éliminatoire dont le thème a été choisi par Christophe Adam. Mais avant cela, j'ai un résultat à vous annoncer. Audrey et Ivan, vous étiez à Cherbourg chez Jean-François Fouché. Le chef a désigné le pâtissier le moins convaincant. Il s'agit de Ivan. Durant ces deux jours, le pâtissier qui m'a le moins convaincu, donc c'est Ivan. Je croyais qu'il ne prenait pas assez de risques. Et c'est vrai que j'ai adoré la créativité d'Audrey. Elle a pris des risques. Et ça, j'aime bien. Ça m'a mis un coup de froid. Mais c'est mon premier rattrapage. Donc, je vais tout donner pour être sur le podium. Je vous souhaite bon courage, Ivan. Merci. Amaury, Yann, vous étiez chez Laurent Jeannin, à Paris. Pour le chef, le pâtissier le moins convaincant est... Amaury. Je m'y attendais pas, puis c'est tombé sur moi. Il doit certainement y avoir une très bonne raison à ça, mais je vois pas un truc flagrant. Donc ça a dû se jouer à peu de choses. Ce sont deux garçons assez brillants. Pour moi, le moins convaincant est Amaury. Amaury m'a fait un dessert complètement pâtissier. Il n'a pas ouvert son champ de création. Effectivement, Yann a envoyé légèrement en retard, mais au moins, c'était un dessert. Audrey et Yann, félicitations. Vous continuez la compétition. Je suis super content d'être dans ce film. Ça serait quand même dommage de ne pas aller au bout. Et ouais, je vais tout donner. Je vais vous demander de bien vouloir laisser vos camarades. Ivan et Amaury, vous allez donc vous affronter tous les deux pour sauver votre place en épreuve éliminatoire. Ça m'angoisse pas d'être face à Ivan. C'est vrai que c'est un très bon professionnel. Ça m'embête plus que ça m'angoisse, parce qu'effectivement, c'est un pote. Et à l'issue de ça, soit lui, soit moi, on part de l'aventure. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Faut que je sorte le meilleur de moi-même, que lui aussi se fasse plaisir, et c'est le principal. C'est donc dans le laboratoire de pâtisserie de Nicolas Bernardet que nos deux concurrents vont s'affronter autour d'un thème cher à Christophe Adam. Christophe, c'est une de vos spécialités, je crois, le snacking. Allez, je vous propose, Ivan et Amaury, de découvrir ensemble ce qu'est le snacking version Christophe Adam.
Alors le snacking, c'est de reprendre une pâtisserie et la revisiter de façon beaucoup plus simple et facile à manger. C'est aussi simple que ça. Pour que nos pâtissiers comprennent bien le principe du snacking, le chef leur a préparé trois exemples différents. Pour commencer, voici le millefeuille version snacking de Christophe Adam, avec feuilletage en mouillette et crème vanillée en pot. Ou encore les profiteroles, avec les choux d'un côté et de l'autre, la sauce chocolat grand cru en tube. Et pour finir, un éclair au praliné, emballé version sandwich. Christophe Adam est l'un des précurseurs de cette nouvelle tendance. Repensez de manière ludique les grands classiques de la pâtisserie afin de les déguster facilement et n'importe où. Dans les grandes maisons où j'ai travaillé, on m'a plutôt dit que j'étais plutôt un créateur de pâtisserie, plutôt rock, moderne, donc contemporaine. Et en matière de snacking, l'imagination est aux commandes et le contenant ou l'emballage tiennent un rôle essentiel. Boîte à sardines, boîte à camembert, récipient en tout genre, tout est possible à condition de simplifier la dégustation. J'ai essayé d'apporter une nouvelle touche aussi bien dans la pâtisserie, dans sa finition, dans aussi la façon de le manger, mais aussi en essayant de la faire évoluer. Oui. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on va pouvoir travailler avec des petits bols, des petits verres, donc vous allez aussi pouvoir vous servir de ça. Effectivement, le contenant, le packaging est très important, voilà. Christophe. J'attends de vous vraiment qu'on comprenne le côté eau de pâtisserie, mais simple à manger. C'est vraiment là-dessus qu'il faut insister. Le snacking, c'est pas si simple. Il faut savoir dissocier les éléments, savoir trouver la bonne idée et comment les remettre en commun pour à la fois avoir une qualité et la possibilité de le transporter. Alors, Ivan et Amaury, vous allez devoir réaliser deux pâtisseries en version snacking, deux pâtisseries différentes. Pour la première, vous avez carte blanche. Pour la seconde, ce sera une version snacking d'un classique choisi par Christophe Adam. Alors, quel classique vous avez choisi, Christophe ? J'ai choisi le Paris-Brest. Pâte à choux en cercle, crème pralinée, amandes effilées, c'est le Paris-Brest traditionnel. Le Paris-Brest, c'est une pâtisserie que j'aime beaucoup et je trouvais ça sympa de justement revisiter un produit que tout le monde connaît dans sa version snacking, c'est-à-dire plus légère, plus facile à manger, tout simplement. Vous allez donc avoir 2h30 pour réaliser 20 portions de chacune de vos deux créations. Au total donc, ça fera 40 pièces. La difficulté, c'est quand ils nous annoncent la quantité à faire. On a toujours, depuis le début des épreuves, travaillé sur une pièce unique, un petit bijou. Et là, on est sur 40 individuels. Du coup, c'est toute une autre organisation, toute une autre logique de travail. Faites bien attention au packaging, comme vous l'a dit Christophe. C'est très important pour cette épreuve snacking. Attention, 3, 2, 1, top départ, vous avez 2h30. Christophe Adam sera là pour conseiller nos deux pâtissiers tout au long de l'épreuve. En revanche, seuls les trois autres membres du jury désigneront le candidat qui se qualifiera pour la grande finale de la semaine prochaine. À ce stade du concours, tous les concurrents sont des pâtissiers de très haut niveau. Pourtant, Ivan et Amaury travaillent sur le thème du snacking pour la première fois. Bien sûr, j'ai la niaque, j'ai envie de réussir à fond, ouais. Je vais me battre pour ça. Il y a l'envie d'être dans les trois derniers. C'est une place qui mérite qu'on se batte pour elle. Le but, c'est d'être là jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la finale. Si le Paris-Brest en version snacking est imposé par Christophe Adam, nos pâtissiers ont carte blanche pour leur deuxième réalisation. Et l'urgence, c'est de trouver l'inspiration. C'est nouveau pour eux, ils ne connaissent pas. Vu qu'ils sont encore jeunes, est-ce qu'ils vont se perdre, vouloir faire trop compliqué ? Tout de suite, j'ai une idée qui me vient en tête. Je ne sais pas pourquoi, je pense à la tarte aux fraises. Donc il faut tout déstructurer, retrouver tous les éléments d'un classique à l'intérieur de mon contenant. L'idée, donc, une sphère. D'accord. Celle-ci refermée. Un disque de chocolat qui vient là, qui permet de bloquer des choses. Compoté de fraises, un peu de menthe, un peu de citron. Et pour le Paris-Brest, partir sur trois petits choux. Donc, au début de mes épreuves, je me dis, il y a pas mal de travail. Il va falloir bien réfléchir à passer par pilier. Donc, je commence par la crème légère à la vanille. Et je me suis dit, j'ai une crème, il faut que j'utilise pour les deux produits. Ça va me faire gagner du temps. Elle va me servir pour le Paris-Brest, pour la crème mousseline. Et pour la tarte aux fraises, pour mettre au fond mon contenant. 2h30, il va falloir courir un petit peu pour vraiment avancer dans toutes les préparations. Et ensuite, faire un beau dressage pour que tout soit régulier, parce qu'il y en a quand même beaucoup à dresser. Amaury, on fait un petit point ? Oui. Alors ? J'arrive. Parti sur quoi ?
Donc je suis parti sur un petit récipient comme ça, ouais, pour revisiter le Mont Blanc, qui est un dessert traditionnel. Mm-hmm. Le Mont Blanc est un dessert à base de meringue, de crème chantilly et de crème de marron. Le Mont Blanc, je le travaille en verrine rectangle, ce qui casse la forme d'origine qui est ronde. Donc du coup, on est vraiment dans quelque chose de revisité. Et pour le décliner encore un peu plus, Amaury décide de rajouter un ingrédient supplémentaire. Je voulais marier le Mont Blanc avec un fruit rouge, donc je suis parti sur la framboise. C'est quelque chose à la fois de bon et qui fait un bel accord avec la chantilly, crème de marron, c'est assez light. Pour le Paris-Brest, hein, le Paris-Brest, j'aurais bien mis mon chou garni en praliné pur, ouais, ma crème Paris-Brest autour et des noisettes caramélisées. Ouais. Voilà, donc jouer sur la tradition, le vrai goût franc et puis un design sympa snacking. D'accord, donc fais juste attention avec tes recettes. Il faut vraiment qu'on ait le côté goûtu du praliné et que ça soit facile à manger. D'accord, ça marche, chef. L'épreuve a commencé depuis déjà 20 minutes et nos deux pâtissiers viennent à peine de décider des recettes qu'ils vont réaliser. Et aujourd'hui, c'est un total de 40 pièces qui a été demandé par Christophe Adam. Amaury lance alors les préparations les plus longues, sa meringue pour le Mont Blanc et le praliné pour son Paris-Brest. Donc là, j'ai ma meringue qui tourne et je me lance sur mon praliné. C'est important parce que la meringue doit prendre au moins le temps de l'épreuve pour sécher. Et le praliné doit refroidir avant de le mixer pour faire la crème Paris-Brest. Praliné, c'est l'élément le plus important dans le Paris-Brest. Le praliné, c'est le goût, c'est le tout de la recette. Ivan aussi a décidé de réaliser son praliné lui-même et de ne pas utiliser celui mis à disposition dans l'épicerie. Si la recette est simple, elle prend du temps. Nos deux pâtissiers mélangent les amandes et les noisettes dans un caramel à base de sucre et d'eau chauffée à 121 degrés. Ils étalent ensuite leur préparation pour la laisser refroidir avant de la mixer pour obtenir une pâte. Ils avaient le choix de prendre du praliné déjà tout fait. Et ils ont pris un risque tous les deux, mais qui est un risque plutôt gustatif, donc ça veut dire que c'est un bon risque, c'est qu'ils l'ont fait maison. Ivan, de son côté, a une astuce pour donner plus de caractère à son praliné. Donc je mets une partie des fruits avec le caramel dans le blender, je mixe bien pour avoir une pâte assez lisse. Et je remixe une deuxième partie, moins mixée, pour ramener du grain au praliné, pour qu'ensemble les deux produits soient à la fois tendres et à la fois croustillants. Ça mène un petit plus à la dégustation. Un praliné tout lisse, moi j'aime pas. C'est vrai qu'un praliné avec un petit peu de craquant dedans, c'est plus sympa. Ivan, Amaury, oui, il vous reste 2 heures. Ouais, il y a un petit peu de pression. On est sur 2 heures pour sortir 40 verrines de deux variétés. Donc oui, il y a de la pression, mais elle reste bonne, elle reste maîtrisée. Nos deux pâtissiers doivent gérer leur stress. C'est leur place pour la grande finale de la semaine prochaine qui est en train de se jouer. Et dans la précipitation, Ivan n'a pas encore fait le choix de l'emballage pour son Paris-Brest version stacking. Je vois une boîte ronde, type un peu fromage, je la prends. Donc je me dirige vers des choux individuels. 3 choux par personne, un peu boîte surprise, coupé en deux, les garnir généreusement et avec du sucre glace pour vraiment rappeler le Paris-Brest d'origine ou qui est recouvert de sucre glace. 4, 5, 5 fois 4, 20. De son côté, pour son Paris-Brest version snacking, Amaury conserve malgré tout une touche traditionnelle. Pour le côté visuel, j'ai joué un petit peu une carte classique, c'est-à-dire ces petits choux avec des amandes effilées torréfiées sur le dessus, ce qui est vraiment typique du Paris-Brest. Amaury, il faut bien les coller. Les amandes ? Oui. Ivan et Amaury, vous êtes à la moitié de l'épreuve, il vous reste plus que 1 heure et 15 minutes. Oui. 1 heure et 15 minutes pour terminer toutes les préparations et surtout pour dresser les 40 pièces demandées par Christophe Adam, 20 de chaque variété. Pour nos pâtissiers, la pression monte encore d'un cran. Là, je suis en train de réaliser ma pâtissière pralinée. Et cette émission, c'est du sport. C'est extrêmement tendu, ça met à rude épreuve un peu tout ce qu'on sait faire. Ça met un peu les nerfs à rude épreuve ici. Ouais. On voit le temps qui tourne, on voit les 40 réalisations à faire et ouais, c'est vraiment un concours. Je trouve que c'est le premier que je fais où il y a autant d'émotions, autant de stress, quoi. Si Amaury est en difficulté, Ivan, lui, ne se laisse pas déstabiliser. Il se lance dans la fabrication de disques en chocolat pour sa tarte aux fraises. Ces disques doivent séparer la compotée de fraises du reste des préparations pour éviter que tout ne se mélange avant de consommer le dessert. À la dégustation, quand ils vont casser, les fraises vont tomber sur l'autre préparation.
Comme, et vu qu'il y aura des crumbles sur le dessous, ça permet de pas remouiller le crumble en fait. Qu'il reste bien croustillant. Ivan, il reste quoi? Là, il me reste la mousse pralinée, le mélange. Je vous demande de la crème un petit peu, donc vu que la crème vanille est prête. Et après, c'est dressage. Plutôt bien là. Ouais, mais on va s'arrêter. Bon, je cours partout parce que je me dis c'est peut-être ma dernière épreuve, faut que je donne tout. Même si je passe pas, moi j'aurais tout donné et je serais content de mon travail. Et voilà, je donne mon maximum. Une des nombreuses difficultés à surmonter, c'est le nombre de pièces que nos deux pâtissiers doivent réaliser, 40 au total. Difficile pour eux d'estimer le temps de dressage dont ils auront besoin en fin d'épreuve. Dans le doute, Amaury et Ivan travaillent donc pied au plancher. Mais à moins de 45 minutes de la fin, Amaury est à la traîne. Amaury est un peu en retard, donc ça va être compliqué pour affiner, affûter ses desserts. Avant d'être juré, Christophe Adam est avant tout pâtissier. Et pour l'épreuve qu'il supervise, il veut que les réalisations de nos deux candidats soient irréprochables et surtout prêtes dans les temps. Christophe Adam arrive au moment du garnissage sur la finition un petit peu de la verrine Paris-Brest. Et moi, j'ai dans l'idée de garnir tous mes choux. Il n'y a pas le temps, ce ne sera pas fini. Fais-moi confiance. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit fini. Il y a moyen de faire un truc en 5 minutes très, très bien. Aller à l'essentiel en simplifiant ses dressages, pour Amaury, c'est la seule chance de terminer à l'heure. Même si le pâtissier a du mal à se faire une raison. C'est pas grave. J'ai de la pâtissière, j'ai le pâtissier en plus. Non. N'y va. Faut gagner du temps. Quand on pense à une idée, c'est une idée qui a été réfléchie, où on a envie d'avoir un aboutissement, c'est extrêmement frustrant quand on n'arrive pas au bout. Mais très objectivement, Christophe Adam avait raison. Il a bien fait de me taper un peu sur les doigts. Ça, trop de temps. Il vaut mieux faire plus simple, bien fait, et les deux. Je peux pas mettre les noisettes? Non, après. D'accord? Christophe Adam vit cette épreuve comme s'il risquait lui-même l'élimination. Amaury commence maintenant le dressage de ses 20 pièces de Mont Blanc, version stacking. Ivan, de son côté, dresse ses premières tartes aux fraises déstructurées, à base de crème pâtissière, de chantilly à la fraise et de crumble. Il lui reste à ajouter les disques en chocolat et la compotée de fraises. Il reste combien de temps à peu près là? Il vous reste 30 minutes. 30 minutes. Je vous rappelle, 20 portions de chacune des deux réalisations. Finesse. Je vois vraiment toutes les couches et je trouve ça sympa. Je me dis, c'est bien, c'est mon idée de départ. Donc je me dis, il faut que je fasse quelque chose de bien aussi pour le Paris-Brest. Amaury est toujours en retard. Il continue le dressage de ses monts blancs à base de meringue, tout en préparant le coulis de framboise qui doit apporter un peu de légèreté à la crème de marron et à la chantilly. Mais pour notre pâtissier, tout se bouscule et son organisation vole en éclats. Je suis dans un tel bordel. Pour l'instant, il y a encore beaucoup à faire. Ivan et Amaury, il vous reste 15 minutes. Ivan s'attaque maintenant au dressage de ses 20 Paris-Brest. Au fond des boîtes, il dispose 3 choux qu'il va ensuite garnir avec une crème pralinée. Il est temps de commencer à se dire qu'il y a le temps de peaufiner un peu. Hein. Ok. D'accord? Donc de bien faire jusqu'au bout. Amaury, par contre, il faut finir les desserts. Hein. Oui. Et après, on verra si on peut les peaufiner. L'horloge tourne. La fin de l'épreuve approche. Mais Amaury continue ses dressages, comme s'il n'en avait pas conscience. Il faut commencer à mettre la framboise. Ça arrive, ça va aller. Ça va aller? Et je vais faire, en attendant, je vais faire autre chose. Ouais, mais 5 minutes, je vais pas avoir de dessert, Amaury. Moi, je veux les desserts. Non, il y aura pas le temps, Amaury. On finit juste ça. Hop. Allez. Bah, au cas où, chef. Non, il y a pas de au cas où. Il y a pas le temps. Si je vous le dis, c'est que je sais. On finit cela bien, et ce sera déjà très bien. Il vous reste 3 minutes. Ce sont les 3 dernières minutes de l'épreuve. Allez, on dresse. Poche. On finalise. C'est très chaud, il y a le chrono qui fuse, Christophe Adam nous met la pression, il y a Virginie qui fait les décomptes. Oh là, je suis dans le dur. Ça commence à être fatigant. Je suis cramé et chaud. Plus ça va, plus c'est crescendo. Et là, ouais, c'est... Celle-ci nous en fait baver. Hein. Je me dis, il faut que je ramène un petit peu de couleur. Il me restait du praliné brut. Je l'ai mis dans un tamis, je l'ai mietté un petit peu dans chaque contenant pour... Encore rappeler ce goût de praliné et un petit peu de croustillant. Je donne tout pour que je reste encore une semaine. On n'est pas loin de la finale, donc ce serait bien d'y aller. Ouh là là, 2 minutes, je stresse pour eux. Oui, moi aussi. Vous croyez que c'est bon ou pas?
Oui. C'est un petit oui, quand même. Hein. C'est un petit oui. Il manque toujours 5 minutes. Mais ces 5 minutes en plus, nos deux pâtissiers ne les auront pas. À bout de souffle, Amaury et Ivan terminent leurs 40 préparations. Au terme de cette épreuve, l'un d'entre eux quittera la compétition aux portes de la finale. Amaury, il y a le marron partout. Mais non, il y a des trous. Allez, le marron partout, et s'il y a le temps, il y a les noisettes sur le Paris-Brest. Alors, je suis pas quelqu'un qui s'énerve beaucoup, mais là, il y a une petite impureté qui devait être dans la crème, soit un petit morceau de beurre pas bien dilué, qui vient se loger dans les trous. Et là, ça me fait un dressage n'importe comment. Putain. Un petit peu excédé, je jette ma poche. C'est pas des choses dont je suis très fier, mais c'est vrai que j'étais un peu excédé. J'ai quand même couru, lavé la douille, sorti, et puis il me restait une poignée de secondes pour terminer mon dressage. Le chef Nicolas Bernardet, chez qui nos deux pâtissiers s'affrontent aujourd'hui, est impressionné par l'intensité de cette épreuve éliminatoire. On sent le stress monter jusqu'à la dernière seconde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top ! C'est terminé, vous ne touchez plus à rien. On a su, Hélène. Hein. Ivan, comment ça va? Comment vous sentez? Je suis épuisé. C'est la pire des épreuves, j'ai l'impression, au niveau intensité. Je vous propose maintenant, chers pâtissiers, d'aller tester vos réalisations, vos créations auprès du grand public. Et pendant ce temps, les autres membres de notre jury vont venir nous rejoindre pour la dégustation à l'aveugle de votre travail. Après les 2h30 les plus éprouvantes depuis le début du concours, Amaury et Ivan vont faire découvrir leur création spéciale snacking aux passants dans la rue. Allez, on se met en place, Ivan. Beignet, chouchou. Super, on arrive dans la rue, le petit moment sympa de la journée. Et puis on voit un petit peu les gens s'amasser près de nous. Donc, un petit Paris-Brest, madame? Oui, allez, un petit Paris-Brest, allez. Hop, allez-y. Du côté du jury aussi, c'est le moment de découvrir les créations de nos deux pâtissiers, en commençant par celle d'Ivan. Je vous propose de déguster le dessert de notre premier pâtissier. Tout d'abord, le Paris-Brest. Ah, une petite surprise. C'est très sobre. Ivan a repensé son Paris-Brest version snacking avec des choux individuels garnis de crème pralinée et saupoudrés de sucre glace et de praliné brut. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous voulez goûter le Paris-Brest? Oui, moi aussi. Vous aussi? C'est délicieux. Mais quel que soit l'avis du public, le jury sera seul à décider. Et si Christophe Adam participe à la dégustation, il n'aura pas voix au chapitre. En effet, comme pour chaque épreuve éliminatoire, la décision doit se faire à l'aveugle. Pierre, vous avez eu l'honneur de goûter le premier. Qu'en pensez-vous? Je suis séduit, mais je ne suis pas emballé. Quoi. Je dirais que la note finale est un petit peu trop salée. Vraiment, quand j'ai terminé le Paris-Brest. Et comment se fait ce goût salé? Mais souvent, dans une pâte à choux, on met un tout petit peu de sel aussi pour le goût. Parfois, on sale un petit peu trop et on a une note finale qui revient. Et je ne trouve pas très agréable, mais c'est tout. J'ai pas été non plus emballé, mais j'ai aimé. C'est constructif, c'est bon. Il y a un côté salé, moi, qui me déplaît pas vraiment. Après, je suis un peu déçu dans l'esthétique. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Je trouve qu'il manque un petit plus. Notre premier pâtissier a réalisé un second dessert. Il avait carte blanche. Je vous propose donc la tarte aux fraises version snacking. Ivan a voulu déstructurer la tarte aux fraises classique. Sur le dessus, la compotée de fraises est séparée du reste des préparations par un disque en chocolat. Le pâtissier joue sur la surprise au moment de la dégustation. Donc, c'est une crème légère à la vanille, une chantilly mascarpone fraise, un crumble. Donc, vous cassez bien le disque de chocolat pour que, comme vous voyez, le coulis s'écoule sur tout le reste. D'accord, oui. C'est moi, j'aime bien. Les fruits rouges et le citron, ça va bien ensemble. Ouais. Ce produit est beaucoup plus intéressant vu de profil que de dessus. On voit qu'il y a de la technique, on voit qu'il y a un peu de craquant, voilà. Il y a un peu de technique.
m'a séduit, c'est qu'il y a une certaine forme de fraîcheur. La compotée de fruits est légèrement assaisonnée. Je pense que c'est du citron vert. Il y a quelque chose qui est très rafraîchissant et qui est très agréable. C'est coloré, il y a des fruits, oui, mais voilà, moi je m'attendais à quelque chose. Peut-être qu'il s'est un peu perdu en voulant faire trop. Le snacking, c'est faire simple et bon. Pierre, vous acquiescez ? Complètement. Je pense effectivement que le snacking, c'est deux, trois éléments et on arrive à avoir toute l'essence même de la pâtisserie. Et ici, il y a beaucoup d'éléments, mais ça reste quand même assez basique. Ça manque un petit peu d'élégance, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont maintenant les réalisations d'Amaury qui vont être dégustées. Bonjour madame, bonjour monsieur. Donc ça, c'est une version snacking, c'est-à-dire qu'on peut emporter pour manger un peu n'importe où du Paris-Brest. Pour présenter son Paris-Brest version snacking, Amaury a choisi une sphère transparente dans laquelle on retrouve une crème pralinée, des choux garnis recouverts d'amandes effilées et du caramel. Dans l'esprit snacking, je n'achète rien. C'est pratique, j'adore. Mais en tant que sportif, faire des vélos, j'emporte ça dans mon sac. Ça fera mon petit dessert. Je vous propose de découvrir le Paris-Brest de notre pâtissier. Ah, ça a de l'allure. Ça me plaît. Hein. Non, mais ça a de l'allure. Ouais, mais c'est ça qu'on fait. C'est génial. Le snacking, c'est ça, quoi. Ouais. Visuellement, les premières impressions sont bonnes. Ouais, grave. Conceptuellement, il y a vraiment une très belle idée. L'aboutissement... Sur le côté gourmand, on y est. Sur le goût du pralin, on y est aussi. Moi, juste un petit reproche, c'est la texture. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas goûté, mais effectivement, ça m'a l'air assez compact. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Moi, ce que je lui reproche un petit peu, c'est de ne pas avoir travaillé un tout petit peu plus léger. Je pense qu'il y a un dosage excessif sur les matières premières dans sa crème. C'est une très bonne crème adaptée à un vrai Paris-Brest, mais lorsqu'on la met dans un contenant comme ça, il faut la voir différemment. Beaucoup moins sucré, beaucoup moins gras, quelque chose d'un peu plus aérienne. Fluide, exactement. Je vous propose de découvrir le Mont Blanc en version snacking. Pour son Mont Blanc à base de meringue, de crème chantilly et de crème de marron, Amaury a décidé d'ajouter un coulis de framboise pour apporter un peu d'acidité et de fraîcheur. L'idée, en fait, c'est de pouvoir le manger un peu partout. Si ça, c'est commercialisé ou ça se fait, sincèrement, moi, j'ai pas de souci. C'est absolument le genre de truc que je mange dans le métro ou dans le bus, quoi. Le Mont Blanc d'Amaury fait un tabac auprès des passants, mais c'est l'avis du jury qui prime. Pierre, le Mont Blanc, c'est de la meringue, de la crème de marron et de la chantilly, c'est cela ? Oui, c'est exact. Est-ce que vous retrouvez l'esprit Mont Blanc dans ce dessert ? Totalement. Et parfois un petit peu de lourdeur, donc on est dans l'esprit vraiment Mont Blanc. Mais si on part du principe que c'est un revisité, je pense qu'il y a vraiment une originalité au niveau de la présentation. Mais je le trouve compact. Je pense qu'il n'a pas vraiment joué sur l'élément justement du contenant où on peut avoir de la légèreté. J'arrive pas à le finir. Le même défaut finalement que pour le premier dessert. C'est exact, oui. Ça manque un peu d'élégance. C'est bon en goût, c'est lourd. Voilà. À vous écouter, j'ai l'impression que la délibération va être compliquée. Alors, je sais que Pierre, vous avez un événement important ce soir que vous supervisez, donc vous ne serez pas avec nous pour le verdict. En revanche, mettez-vous d'accord tous les quatre, même si Christophe, je le rappelle, vous avez un devoir de réserve, vous ne pouvez pas voter. Amaury et Ivan, c'est donc l'heure du verdict. Qui va rejoindre Audrey et Yann ? C'est une place pour la finale de la semaine prochaine qui se joue maintenant. Si je suis éliminé, j'aurais vécu une aventure professionnelle et humaine extraordinaire. C'est clair que j'ai envie de pousser l'aventure plus loin parce que je pense qu'il y a encore quelques lignes à écrire. J'ai tout donné sur cette épreuve et si je pouvais rester ce soir en course, j'ai envie de leur montrer que je suis un bon pâtissier moi aussi. Un petit mot avant de rendre votre verdict, Christophe Adam. Alors moi, j'ai eu la chance de vous voir travailler de très près pendant cette épreuve. Et tout l'investissement qui a été mis pendant ces 2h30 était vraiment enthousiasmant. Alors bien sûr, il y a un qui va partir aujourd'hui, mais j'étais ravi de vous voir travailler comme ça.
Alors le choix a été extrêmement rude. On en a parlé pendant très longtemps. Ça a été très très compliqué de différencier un candidat d'un autre. Cela dit, il faut toujours un gagnant et un perdant. Nous avons décidé de garder le pâtissier qui a réalisé le Mont Blanc façon snacking. Je m'attendais pas du tout à être dans le trio final. Il y a, je pense, encore de belles épreuves qui arrivent. Et j'ai vraiment comme mission d'être le coup de cœur du jury sur la prochaine épreuve. Pour nous, ça a été difficile de choisir. Ce qu'il a emporté, ben, c'est le goût, l'explosion en bouche. Mais vraiment, ça s'est joué sur un filet. Voilà. Pour Ivan, en revanche, c'est la fin de l'aventure aux portes de la finale. Quel âge as-tu, Ivan ? 23 ans. Bravo. Bravo parce que ça s'est joué comme ça, mais je pense que t'as aucun souci au niveau professionnel. Bonne chance. Tu es une belle personne. Tu dégages quelque chose qu'on recherche tous d'ailleurs dans ce métier. Une forme d'élégance, une forme de simplicité, d'humilité. Donc j'ai envie de te souhaiter plein de bonnes choses, mais je pense que tu les as déjà avec toi. Et j'espère qu'on va pouvoir se revoir très rapidement. Merci. Merci Ivan. On peut vous applaudir. Ce concours m'a apporté plein de choses humainement, professionnellement. J'ai appris en quelques semaines des choses que j'aurais pu apprendre en des années. Donc j'en ressors grandi de ce concours. Audrey, Amaury et Yann, vous n'êtes plus que trois. Trois à prétendre au titre de prochain grand pâtissier. Qui remportera cette première édition de notre concours professionnel? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. Pour nos trois pâtissiers, le chemin vers la victoire finale sera semé d'embûches. Il n'y a pas une minute de plus, allez-y quoi! Faut que j'arrête de faire de la merde. Top! C'est terminé! Pour la première fois de leur vie, ils seront aux commandes de leur propre boutique éphémère de pâtisserie. Et il faudra séduire les clients. J'adore. Et le jury. C'est très bon ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ici, aujourd'hui, c'est vraiment passé quelque chose. Ils devront également réaliser une pièce artistique exclusivement à base de sucre et de chocolat. Je trouve que c'est assez spectaculaire. C'est époustouflé en tout cas. Avant un final en apothéose, au cours duquel ils devront préparer un buffet de prestige en l'honneur des plus grands noms de la pâtisserie française. Grâce à ces femmes et à ces hommes, la pâtisserie française est la plus belle, la plus généreuse au monde. Donc merci mesdames, merci messieurs, je suis très heureux de vous citer tout cela. Audrey, Amaury, Yann, un seul sera désigné comme le prochain grand pâtissier. Mmh.